Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au Plessis Trévis pour une nouvelle rencontre des Saint-Maur-Lusitanos. Ce soir, notre club reçoit Saint-Quentin dans l'Aisne. À mes côtés pour commenter cette rencontre, nous avons un joueur avec nous qui malheureusement pour lui ne jouera pas voilà. Ce soir. Ouais, c'est Marco González. Comment voilà, ça va ça va. Voilà, ça va très bien, écoutez... Très très bien, espérons une victoire ce soir pour peut-être passer premier avec Lille qui joue à Grande-Synthe. Espérons une défaite de Lille pour passer premier, voilà. Ouais, c'est surtout, surtout ça, hein, c'est le fait d'avoir un résultat favorable voilà. Qui pourrait aider Saint-Maur à grimper sur la première place du oui. Podium. On sait que les ambitions du club sont plutôt de jouer justement cette montée en CFA. Ah oui, clairement. Ça, oui. Ça a l'air d'être jouable quand même, quand on est oui. aussi bien placé là début janvier. On rentre vraiment dans le cœur de la saison, à un moment où il ne faut pas flancher, il faut gratter les points. On est à 3 points, hein, oui, clairement. Donc on sait que là, s'il y a victoire et défaite de Lille, ça sera vraiment un premier ex-aequo et vraiment il y aura possibilité de jouer cette montée. Hein. On va jeter un petit coup d'œil tout d'abord sur le programme de cette journée de CFA 2 avec un match qui a commencé à 14h30, qui est donc terminé. C'est le match nul, un but partout entre Marc et la réserve de l'Amiens SC. Coup d'envoi donné à 17h, Noisy-Tourcoing. À 18h, Noémery reçoit la réserve du VAFC. Ailly-sur-Somme contre Feigny. La réception de Grande-Synthe pour la réserve du LOS qui est donc actuellement en tête. Et enfin, Ivry reçoit Boulogne. Ce oui. qui donne pour l'instant au classement de ce championnat. Classement de ce groupe G de CFA 2, bien la réserve du LOSC qui est en tête avec 36 points. Deuxième Ailly-sur-Somme avec 34 points. On retrouve Saint-Maur avec la troisième place et 33 points au compteur. Et il faut descendre assez bas dans le tableau pour retrouver l'adversaire du soir, Saint-Quentin, qui est pour l'instant le premier relégable. C'est jamais évident de jouer ces équipes. Ah, c'est des équipes compliquées, hein. Compliquées, des équipes très très compliquées à jouer. De plus, qu'on sait que ça, à mon avis, ça va jouer assez physique de leur côté. Ça va défendre très très dur. Et voilà, il va falloir à nous de faire le jeu et de gagner et voilà, de pouvoir se créer des occasions aussi. Avant de se pencher sur cette rencontre, un petit mot quand même sur vous. Oui. Présentez-vous un petit peu à nos chers spectateurs puisqu'on ne vous a pas encore eu à nos côtés cette saison. Oui, c'est vrai. Pour le grand public qui ne vous connaisse pas encore, petite présentation, un petit CV. Bon, bah, je suis arrivé cette année au Saint-Maur-Lusitanos. J'ai 20 ans, je suis Marco González et j'ai été formé. Donc, j'ai fait ma formation au PSG pendant 2 ans, puis à Nantes pendant 3 ans. Et voilà, pour faire suite, je suis arrivé à Saint-Maur voilà, pour essayer de gagner ma place et voilà de gagner quelque chose, on va dire, de se relancer, voilà. Et vous avez connu des joueurs j'ai plutôt connu... bons, voilà. On va rester modeste pour voilà. eux. Comme Kingsley Coman aujourd'hui au Bayern Munich, d'Adrien Rabiot aujourd'hui bah, qu'on connaît tous au PSG, Erwin Ogenda, voilà, il y en a beaucoup, hein, je pourrais en citer beaucoup, mais voilà. Alphonse Areola aussi, il Alphonse Areola. Qui est de loin le joueur qui vous a le plus impressionné. Voilà, pour impressionné. L'instant. Le plus impressionné, bah oui, en tant que gardien de but, c'est lui qui m'a le plus impressionné. Avec des, j'ai fait plusieurs entraînements avec lui, spécifique gardien, et c'est vraiment lui qui m'a le plus impressionné aujourd'hui, titulaire à Villarreal, en championnat espagnol. Ça donne envie forcément donne d'aller envie. Encore un petit peu voilà, plus haut, voilà. Mais tout d'abord de se lancer dans du temps de jeu. Voilà, ici. Du temps de jeu ici. Voilà. Avec vos partenaires qui n'ont pas tardé à rentrer ouais. sur cette pelouse. La pelouse qui est dans quel état selon vous ce soir? Bon, en tout cas, je sais qu'ils en prennent soin. Je sais qu'ils en prennent soin. On a fait un match amical le week-end dernier dessus. Mais à mon avis, ça m'a l'air pas mal. Mais à mon avis, qui peut se dégrader assez rapidement. Ouais, c'est toujours le véritable problème hein, quand on arrive en janvier, février, commence à faire assez froid d'ailleurs oui. hein, sur la région parisienne. Et les pelouses peuvent se dégrader assez rapidement. Vous avez vu un petit peu l'état de cette pelouse avant l'entrée des deux équipes qui ont échauffé assez tranquillement. On a oui. vu les surfaces de réparation déjà se dégrader. Oui, c'est vrai. On voit devant le but, dans les 6 mètres, vraiment, voilà. Il manque un peu d'herbe quand même, on va dire. Hein. Ça va revenir assez tranquillement. Un petit mot aussi sur Saint-Maur. Pour l'instant, un groupe qu'on pourrait voir aller au complet hein, ce soir. Oui, pas d'absence. Ça fait du bien aussi pas d'absence. De retrouver un groupe complet. Excepté, oui, excepté Walid, voilà, pour choix du coach qui est... et Ousmane qui vient d'arriver. Ousmane aussi qui vient d'arriver au club. Voilà, ce sont les deux seuls joueurs qui manquent, mais sinon c'est un groupe au complet, sans blessure. Voilà.
dans un état de forme qui est véritablement bon pour pouvoir affronter Saint-Quentin ce soir. Oui, c'est vrai que nous sommes en forme. Voilà, on a repris tranquillement en début de saison le 4 janvier. On a fait une bonne préparation. Un match amical, bon, avec une défaite certes, mais voilà, pour reprendre un peu la forme. Mais voilà, on est en forme, voilà. Avec ce petit regret quand même, c'est de ne pas être allé un petit peu plus loin en Coupe de France, mais ce qui a dégagé finalement le calendrier, ce qui permet à Saint-Maur d'être en forme pour pouvoir entamer cette deuxième partie de saison. Oui, en effet, voilà. Notre objectif aujourd'hui, le coach l'a clairement dit tout à l'heure, c'est une victoire, c'est un match important, un match très très important, parce que l'objectif c'est la montée. Et voilà, ça sera pour une victoire aujourd'hui, espérons-le. Vous avez connu des joueurs qui sont extrêmement intéressants, extrêmement bons, mais aussi des entraîneurs, des coachs qui ont une certaine carrière. Qu'est-ce que ça fait aujourd'hui d'avoir comme entraîneur un joueur, un ancien joueur qui est né des champions en l'occurrence au Metario ? C'est vrai que moi, ça m'a donné quand même une envie de venir ici. Avoir un coach comme ça, il y a toujours un petit peu d'admiration. On a tous l'envie de faire une carrière comme celle-là, hein, disons-le. Voilà, et donc c'est toujours un peu impressionnant. Et voilà, c'est une bonne personne. Mais très enrichissant forcément d'avoir les conseils. Beaucoup d'expérience. D'un ancien joueur comme celui-ci. Oui. Vraiment, c'est enrichissant. Ça donne de l'expérience et voilà, il transmet ce qu'il connaît. Voilà. On va voir si encore des choix tactiques vont être opérés ce soir. On a vu sur les différents matchs en première partie de saison qu'il a su aussi s'adapter à l'adversaire. C'est aussi une véritable qualité qu'on peut retrouver chez lui. Ce soir, ça va partir comme d'habitude, à mon avis, en 4-3-3, avec Redouane plutôt devant la défense, avec deux joueurs un peu plus offensifs, Joël et Pedro. Et devant, Kevin et Johnny et Diogo. Voilà, 4-3-3. Assez rapide sur les côtés. Assez rapide sur les côtés, oui. C'est vrai que le coach mise vraiment sur les côtés, mais il veut beaucoup de vitesse et il veut aussi que les latéraux montent beaucoup, Philippe et Hugo. Donc voilà, on va voir à surveiller les côtés. Hein. Ce qui fait la force de Saint-Maurice-Italo cette saison, c'est justement cette grande projection vers l'avant, le fait que cette équipe soit capable de jouer, de proposer du jeu et parfois aussi un peu de fermer comme contre Marc où il y a eu c'était un match très compliqué contre Marc, c'est vrai, une victoire car Marc jouait vraiment très défensif et vraiment il voulait pas laisser un match nul passer et on a réussi à arracher la victoire, c'était vraiment très éprouvant. Match un peu plus simple dans le jeu, mais avec parfois des buts un petit peu bêtes, un peu venus d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Bon, j'étais pas là contre le Noir, malheureusement, mais j'ai eu écho en effet. Et bon, ça fait partie du championnat. Hein, voilà. À nous de pas reproduire les mêmes erreurs. Et ça montre aussi cette marge de progression qu'on peut avoir dans l'équipe. En effet. C'est vrai que voilà, il y a quelques jeunes, après, il y a les plus vieux qui apportent un peu d'expérience au niveau du groupe. Il y a le coach pour nous remettre un peu sur terre, donc voilà, à voir pour ce match. À la composition des deux équipes, on attend que les joueurs ne sortent pas encore arrivés. D'ailleurs, dans le petit tunnel, on va en profiter pour reprendre cette composition de Saint-Maurice-Italos avec Rivellino Anastase, gardien, vous l'avez très bien gardien, dit. Oui. La défense avec Philippe Sarmento, Joanne Coran, Jean Fonseca, le capitaine et Hugo Dos Reis. Au milieu de terrain, Redouane Kérouche. Technique, rapide, rapide. Malgré un petit gabarit. en effet, il lâche rien. Très bon joueur avec à ses côtés Joël Sacchi, Diogo Torres, Pedro Nova, Kevin Diaz. Et puis la petite arme secrète. Finalement, avec un joueur qui est capable de faire la différence à tout moment. Kevin, c'est ça ? Le numéro 9 de cette équipe de Saint-Maur. Johnny Ramos. International, Johnny Ramos. Oui, Johnny Ramos. En effet, il est revenu récemment de blessure, donc à voir pour ce match. En effet, il a été blessé récemment à la cheville, mais espérons pour lui que ça va aller ce soir. Du côté de l'adversaire de ce soir, Saint-Quentin. Barré, le gardien, Louis-Cédric Barré, une défense qui sera composée de Benjamin Caille dans le couloir droit, Abdoul Sidibé, couloir gauche, une défense centrale avec Madi Youssoufa et Samuel Denimal en défense centrale. Deux milieux récupérateurs avec Anthony Boucher et Youssef Silla, milieu droit, nous retrouverons Cheikh Yuan, milieu gauche, ce sera
Badia, le numéro 11. Et enfin, en attaque, Simon Dia sera juste derrière l'attaquant de pointe Mohamed Camara, qui a joué un petit peu avec l'Estac en Ligue 1 et en Ligue 2. Et remplaçant du côté de Saint-Maur, on va les voir avec vous, Marc. Alors, Fabien Carne, milieu de terrain. Rui Ferreira, attaquant très rapide et très physique. Aïssitou, d'habitude titulaire, en effet, sur le banc ce soir. Alex Oliveira, le jeune 94 de notre équipe. Arrière droit, très tonique. Et Sébastien Otoni, le deuxième gardien ce soir. Les remplaçants à Saint-Quentin seront Jordi Hendjik, Daniel Titi, Renato Karoski, second gardien Mathieu Huclier et enfin un ancien joueur du Red Star, bien connu en région parisienne, Nabil Ouargili. Un joueur qu'il faudra surveiller de très très près s'il entre en jeu, puisqu'il est un petit peu comme Redouane Kerrouche. Il est rapide, il est technique et surtout c'est un joueur offensif, un très très bon finisseur. Attention à ce joueur-là quand voir. Il va entrer en jeu, en tout cas s'il entre en jeu oui. Ce soir face à Saint-Maur. Oui, en effet, à nous d'être prudents ce soir, solide défensivement, voilà, avec Johan et Joao. Johan assez rapide, dur dans les duels, et Joao une bonne relance. Le capitaine de notre équipe aujourd'hui, dû à l'absence de Nascimento, numéro 6. Donc voilà, à nous de bien fermer. Et ensuite, produire ce jeu qui fait votre force. Oui, en effet, comme le demande notre coach, beaucoup jouer, beaucoup faire tourner, se projeter rapidement vers l'avant et donc beaucoup faire tourner le ballon ce soir. Et compter aussi sur le soutien du public hein, qui se déplace toujours. Oui, toujours un peu, toujours un peu d'aficionados ici, les socios comme on dit de notre club, oui, qui viennent toujours. Les abonnés, les habitués. On rappelle quand même que vous ne jouez pas dans votre stade Chiron, puisqu'il oui, Chiron. Est cette année non homologué. En travaux. Il n'est ouais. pas homologué pour le championnat de CFA2. Donc en attendant qu'il soit aux normes, délocalisé ici au Plessis-Trévise. Mais le Plessis fait absolument tout hein, pour que Saint-Maur soit reçu dans de bonnes conditions. Même avec la pousse, certes, elle va se dégrader, mais elle est quand même dans un état bon hein, pour un match de CFA2. Ouais. Voilà. On l'a dit dans cet avant-match, les deux équipes, comme vous voyez, qui arrivent enfin sur la pelouse avec Saint-Maur, en tenue traditionnelle, domicile de ce club avec le maillot rouge, chaussette rouge et le short vert. Saint-Quentin en noir et blanc. Un petit mot sur le trio arbitral aussi, puisqu'au centre, nous retrouverons M. Sébastien Crampon, assisté de M. Rabia et Maher Garoum, les trois arbitres de ce soir. Arbitre que nous n'avons pas encore vu d'ailleurs cette saison ici au Plessis-Trévise pour les matchs de Saint-Maur. Donc on va observer, bien observer ce début de match, hein. Important à mon avis. Bien rentrer dans le match, montrer tout de suite à l'adversaire de quoi on est capable. Là, c'est prendre un petit ascendant psychologique hein, sur voilà. la première seconde, bien montrer que Saint-Maur est. On n'est pas là pour rien. Sur son terrain, il voilà. veut gagner. Et qu'on n'est pas en troisième pour rien. Voilà. Merci. C'est plus la même donne au final. Ouais. Statut à faire valoir pour voilà. montrer que Saint-Maur est dans le trio tête et va jouer la montée. Ouais. Et a l'ambition en effet de monter. Bien montrer nos ambitions, être directement dans le match. Comme on sait, au début, on a de temps en temps des débuts de match assez compliqués. On marque surtout en deuxième mi-temps. Donc voilà, à nous de voir ce début de première mi-temps. Toujours de la patience hein, dans vos rangs finalement. Oui, toujours un peu, oui. Très patient. On observe bien l'adversaire et voilà. On se projette très très vite vers l'avant. C'est souvent nos buts, hein. C'est comme ça qu'on les marque. Souvent sur des récupérations assez basses pour se projeter très rapidement vers l'avant. Un coup d'envoi qui va être donné par les visiteurs. Joueur de Saint-Quentin. Donc sur votre gauche, sur votre droite, Saint-Maur Lusitanos avec Rebellino Anastas qui va rejoindre tranquillement son but. De l'autre côté, Louis-Cédric Barret est déjà en place. On n'attend donc plus que le coup d'envoi de ce match qui promet, qui pourrait, pourquoi pas, offrir, selon les autres résultats, la première place de ce groupe G de CFA2 à Saint-Maur. C'est bien 4-3-3 comme on le voit là. Avec donc Redouane, Joël et Pedro au milieu.
Philippe, Johan et Joao, Hugo en def. Et les trois devant, Kevin, Johnny et Diogo. Coup d'envoi donné de Saint-Maur Saint-Quentin. On vous l'a dit, l'ambition de Saint-Maur est bien d'aller chercher la première place ou au moins coller la réserve du LOSC. L'ambition de monter est largement jouable pour cette deuxième partie de saison. Premier match de 2016 ici au Plessis-Trévise. Premier ballon pour Saint-Quentin, l'entrée de la surface bien repris par, Redouane. Redouane qui est rouge, premier ballon touché donc pour Anastase Revellino. De suite, on voit une récupération rapide. Oui, très très bonne. Récupération, on arrive au pressing. On voit Redouane qui demande bien le ballon assez bas. Voilà, attention de ne pas perdre quand même. Ils vont le tenir intelligemment en premier coup franc dans sa moitié de terrain. Notez aussi ce soir le placement un peu plus offensif de Kevin Diaz. En effet, qui prend toujours dans son couloir gauche, hein, comme il en a l'habitude. Et on voit aussi notre bloc assez haut finalement, avec Pedro et Joël qui jouent vraiment très très haut. Hein. Ouais, ballon là pour Diogo Torres, côté droit, qui va avoir un petit peu de soutien. Ballon tout de même récupéré par Saint-Quentin au milieu, la part de Boucher. Et puis de suite avec l'un de ses attaquants, Camara, qui a décroché. Jeu écarté à droite maintenant avec Yuan. On prend les centres dans la surface. Second poteau, tranquille pour Revellino. Anastase, bonne touche de balle du portier de Saint-Maur. Allez, qui relance vite vers Johnny. Petite faute quand même. Ouais, on voit quand même que Saint-Quentin arrive bien à produire du jeu quand même quand il récupère le ballon, trouve bien les espaces. Hein. On voit notre équipe de Saint-Maur vraiment... au milieu de terrain, peu en place au niveau, comme Joël et Pedro jouent un peu plus haut. C'est à Redouane. Ouh, bonne récupération de Kevin. On réclame la faute dans les tribunes. Oui, en effet. Pas de faute signalée. Pour Saint-Maur, Kevin Diaz qui reste au sol, parce que le ballon va être sorti par les joueurs de Saint-Quentin. C'est surtout l'arbitre qui arrête le jeu. Kevin Diaz va pouvoir se relever, même si, sans demander la faute quand même là sur cette récupération du ballon. Bon, il fait froid hein, aussi, les coups peuvent faire très très mal, surtout sur les pieds. Là. On voit un peu de brouillard aussi là quand même. C'est peut-être aussi l'effet merguez de la petite buvette qui offre une petite brume là sur le stade. Hein. Et ça participe aussi à cette belle ambiance qu'on retrouve toujours. Il y a quand même du monde, hein. Quand même du monde ce soir. Il est dans ce bon froid. Hein. C'est vrai que les coups vont peut-être un peu plus claquer hein, sur les cuisses, les chevilles. Attention à pas se blesser dans de telles conditions de jeu. Ouais, Saint-Quentin à l'attaque avec Dia. Redouane qui presse bien, sortie de Kevin Diaz. Qui veut faire reculer le bloc tout de suite. Voilà. Ça, c'est une de nos forces, voilà, faire bien reculer le bloc tout de suite avec un pressing assez haut, hop, voilà. Ouais, et puis à noter aussi la glissade hein, du portier de Saint-Quentin, la récupération rapide là sur le côté droit. Ce second poteau, c'est un centre qui va finalement sortir en 6 mètres. Première bonne offensive à la 4ème minute, encore à la suite d'un pressing. Voilà, sacré pressing. Le premier relanceur qui met en difficulté de suite hein, le gardien Louis-Cédric Barré. En effet, on les a fait reculer presque de 50 mètres, hein, là, cette équipe de Saint-Quentin. Et au final, avec un terrain qu'on a vu ici, assez au final difficile, avec la glissade du gardien. Donc à voir, attention aux appuis. Très bonne relance hein, par contre là de Barré hein, sur ce renvoi 5m50 de suite pour retrouver Camara. Jeu écarté sur Silla. Ouais, Silla sur le côté gauche qui attend le dédoublement de son latéral Sidi B. Ce sera un ballon sorti en touche. Bonne intervention à part de Diogo Torres sur son retour dans sa moitié de terrain. Entrée de jeu donc pour Saint-Quentin. Sidi B qui a tenté l'appui immédiat sur Dia. Conserver, faire tourner ce ballon, pourquoi pas entrer sur place de réparation, bon décalage, je pourrais retrouver Sidibé, centre contré encore une fois par Diogo Torres. Attention à ces combinaisons aussi hein, sur le côté gauche, on trouve des joueurs déjà assez mobiles et disponibles du côté de Saint-Quentin. Saint-Quentin en effet une attaque assez rapide, assez vif. Hein. On voit ça avec les quatre offensifs au final parce que le numéro 10 joue comme un 9,5 on dirait. Hein. Donc attention. Il faut être aussi présent hein, sur les sorties de balles, éviter que ça revienne vite. Oui. À l'entrée de la surface de réparation, éviter de concéder aussi les coups francs comme à l'instant avec cette faute commise par Joël Sacchi. Première opportunité à venir sur coup de pied arrêté pour Saint-Quentin.
c'est que c'est aussi un petit peu le péché mignon défensivement de Saint-Maur. Oui, les coups de pied arrêtés. En danger sur les phases arrêtées. Mais avec le coach des gardiens, Enrique Marquez, on travaille beaucoup les coups de pied arrêtés en ce moment. Donc ça a été beaucoup travaillé, donc normalement, on n'espère pas de soucis. On va voir si le travail est payant dès la 6ème minute. Franck frappé directement sur le but de Ravelino Anastase. Encore une fois, une prise de balle parfaite. Au second poteau, danger écarté et on va même temporiser pour la première relance sur Kevin Diaz. Voilà, toujours des relances courtes, repartir bas, produire du jeu. Toujours cette demande hein, des deux libéraux qui s'écartent hein, tout de suite. Et ici Kevin qui s'écarte bien sur le côté gauche. Kevin Diaz qui décroche encore pour essayer de jouer long vers Joël Sakié qui va voir ce ballon filer directement dans les gants de lui, Cédric Caille. Relance à la main aussi rapide, on essaie de mettre du rythme, mettre du jeu dans ses premières secondes, dans les premiers instants de ce match avec récupération. Benjamin Caille fermé dans le couloir et la récupération encore une fois de la part de Camara. Un 9 qui joue, on voit assez bas, qui demande des ballons presque au niveau du milieu de terrain. Encore le gros pressing, hein. Camara qui reste bas, qui évite les contacts. Il ne se fait pas déposséder du ballon et remonter le ballon maintenant de Boucher. Et bon tacle, hein, très bon tacle de Redouane Kerrouche. Ouais, Kerrouche bien placé encore une fois dans l'axe. Il fait parfaitement cette surface de jeu. Avec avant le match, une grosse demande du staff technique que Redouane soit vraiment devant les deux libéraux. Sur le premier espace qui peut être laissé Pedro Nova avec Diogo Torres. Qui évite un joueur, deux joueurs, peut-être un petit contact qui aurait mérité un coup de sifflet, mais le ballon va rester dans les pieds des locaux avec Julien Ramos, première prise de balle sur le côté droit avec la montée de son latéral. Et oui, il faut centrer. Contre favorable, pourquoi pas un centre à venir maintenant, c'est contré. Ah, dommage. Et par Louis Barrecaille avec cette montée de Felipe Sarmento. Deuxième fois que Felipe Sarmento a l'espace dans le couloir. Oui, deuxième fois, donc un côté droit peut-être avec des ouvertures. Avoir à nous de continuer sur ce côté droit, peut-être des opportunités. Bien cessé sur ce couloir avec Sidibé qui est assez offensif mais qui n'a pas encore le soutien de Badia qui revient pas assez encore dans le couloir pour faire l'effort. On voit que de suite des espaces peuvent se libérer. Oui. Comme maintenant avec Diogo Torres. Sur Johnny Ramos, petite glissade. Ouais. En effet un terrain assez difficile, hein. On le voit comment ça se dégrader au fur et à mesure du match. Ouais, là ça va être un peu juste hein, pour récupération assez haute. C'était bien tenté de la part de Johnny Ramos et obtiendra quand même une touche offensive que son latéral gauche pourra jouer Hugo Reis. Et une touche bien placée pour Saint-Maur qui joue directement sur Edouane qui feinte. Il va peut-être s'ouvrir un petit peu l'axe. Et là un bon centre. Hugo Reis pour le centre renvoyé difficilement là par la défense. Et la récupération encore de Redouane. Vers Joël. Pourquoi pas pour Joël Sakié. Ah, Pedro. Et Pedro Nova qui ne peut récupérer le ballon. Attention contre. Avec le ballon qui est remonté par Simon Dia dans le rond central. À une trentaine de mètres, va-t-il pouvoir décaler le ballon sur le côté attention. Gauche avec Badia. Attention, il pourra se remettre sur le pied droit. L'accélération, il est bien joué, Johan. Retenu au goût de ses partenaires. Il va quand même perdre le ballon. Pas de faute signalée. Et une opportunité, encore une fois, avec Hugo Reis dans le couloir gauche. Voilà. A besoin de temporiser, avoir le soutien de Kerrouche, ce qui est fait. On va partir en couloir, il y avait un petit espace. Il va garder le ballon au final, tranquille. Voilà, la passe attention. La passe manquée de la part de Diogo Torres. Torres ouais. Il y avait mieux à faire hein, sur cette action. Heureusement, Joël Sakié fait encore l'essuie de glace au milieu pour reprendre et revenir sur la mienne. Jean Fossec. Gorez. Passe avec son capitaine. Voilà, ils font coulisser tranquillement. Faire circuler ce ballon patiemment avant de trouver l'opportunité. Avec, il joue vers Johnny. Ouais, bonne prise de balle. Qui garde bien ce ballon. Ah, dommage. Il pensait peut-être obtenir la touche aussi hein, sur cette action. Oui, j'ai vu. Il pensait peut-être que c'était pour lui, mais l'arbitre en a décidé autrement. C'était assez haut, on a vu hein, dans ces 10 premières minutes qu'avec un bloc haut, première pression sur porteur du ballon, oui. Ça ressortait pas forcément assez rapidement. On a une ligne de récupération qui est quasiment autour de la ligne médiane hein, quand le pressing est bien fait.
Et on voit notre équipe de Saint-Maur qui joue, qui essaie de jouer sur Johnny hein, depuis 2-3 fois, là, qui essaie de jouer assez long. Et Johnny n'a pas encore réussi à obtenir quelque chose, mais espérons que ça va venir hein, d'ici là. C'est un attaquant qui épuise aussi les défenses. Qui épuise, hein, très très dur, très grand, dur dans les contacts, qui peut faire très très mal. Hein, et vraiment un jeu de corps assez très très bon, hein, son jeu de corps tout de suite là encore, encore une fois. C'est pas pour rien qu'on voit que les meilleurs buteurs cette saison sont, voilà, par exemple, Pedro Nova ou Kevin. Oh, Kevin, attention. Bien contré. Bien contré là, sur ce côté de gauche par Benjamin Caille. Une belle touche offensive pour Hugo Reis. Et de suite, on voit ce bloc de Saint-Maur remonter au niveau de la surface de réparation. Et on voit quand même des joueurs offensifs de Saint-Quentin qui restent quand même assez haut. Hein. Pour essayer de jouer peut-être le contre. Ils ont peut-être aussi senti que sur les passes en retrait, il n'y avait pas forcément non plus beaucoup, oui, d'aisance pour l'instant dans ces premières minutes. Attention. Tu perds vite dans les couloirs. Contrôle de la main. Ouais. Contrôle de la main. Le drapeau se lève. L'avantage. Avantage. Et le ballon restera donc dans les pieds des gens enfoncés. Continue de faire tourner. Ah, directement sur Philippe Sarmiento. Ah là là. Attention de ne pas perdre des ballons trop vite quand même. Bon pressing quand même. Hein. De Diogo Torres et de Johnny Ramos. La solution dans l'axe avait été laissée tout de même. Ça a permis à Saint-Quentin de ressortir le ballon. Attention de pas se gêner. Petit manque de communication entre Joël Sakhi et Redouane Kerouche. Attention. Qui fait la faute. Ça part en profondeur quand même avec Badia qui va être touché par Antoine Astaz. Et là, ça peut être le carton rouge pour le portier de Saint-Maur-Zitano. C'est le cas. Le règlement est clair, quand on annule une action nette de but, c'est carton rouge, que ce soit le gardien ou le défenseur. Et gros coup dur à la 12e minute de jeu. Oui. C'est l'exclusion du gardien de Saint-Maur sur. Et pénalty ou pas pénalty ? Ben là, ça va être un coup franc. Coup ça va franc, être un coup oui. franc. Ça va être un coup franc, hein, vraiment, puisque là c'était commis juste à l'entrée de la surface de réparation. Ah là là, on a bien vu quand même le contre de Saint-Quentin qui sentait les coups depuis tout à l'heure quand même. Hein. Ah. Réunion Anastas qui reste sur le terrain. Pas encore hein, du terrain, que se passe-t-il? Il va voir l'arbitre assistant. On va revoir ce qui s'est passé sur cette action. Avec tout d'abord la faute hein, au départ de l'action. L'arbitre laisse l'avantage. De suite, on part dans la profondeur. L'espace laissé et Révino Anastas qui arrive et qui commet cette faute. Et donc le carton rouge sorti contre Révino Anastas. Assez logique ce carton rouge. Ravino Anastas a beau contester auprès de l'arbitre de touche. La faute est quand même très nette. Coup dur hein, quand même, coup dur pour notre équipe de Saint-Maur qui va devoir jouer à 10 pendant presque 80 minutes là. Hein. Ça risque d'être long. Ça va être très très long. On entend des supporters dire que c'est pas le dernier défenseur. On a même clairement la règle. Le dernier défenseur, ça n'existe pas. C'est bien annuler une action nette de but, ce qui a été le cas sur cette action. Carton rouge qui est assez logique. Il y aura une Anastas qui va être gentiment raccompagné par Monsieur Crampon, l'arbitre du match, qui lui fait signe de repartir en vestiaire un moment assez confus, mais qui va donner l'occasion à Tony Sébastien de rentrer en jeu, qui va jouer quasiment 80 minutes. Ouais. Voir par contre quel est le joueur de champ qui va être remplacé. La seule chose c'est que la seule chose dont on peut se réjouir c'est que ce n'est pas un pénalty. Hein, ici. De ce que je vois. Ça a l'air d'être un coup franc. Vraiment hein, juste hein, ouais. Au niveau de la ligne. Hein. On a vu sur son ralenti, c'est vraiment à l'extrême limite de la surface de réparation.
ça fait quand même un gros coup dur hein, pour, pour Saint-Maur dans ce début de match. Hein. Pourtant, offensivement, c'était vraiment ce qui était attendu, ce qui était prévu, c'est qu'il y a de bonnes choses, c'est qu'on aille vers le but de Saint-Quentin qui est gardé par Louis-Cédric Barré. Par contre, sur cette action, une première faute. Un très bon appel du joueur de Saint-Quentin. Voilà. Très bon appel entre les deux, nos deux libéraux, Jouan et Johan. Et qui les prend vraiment de vitesse, hein, Donc qui, à mon avis, il va très très vite quand même, cet attaquant. Et bon, la sortie, et voilà, un coup dur, 80 minutes à 10, ça fait long. On a vécu presque la même situation à Noisy-le-Sec, avec un carton rouge pour Demba. Donc à voir si on est capable de reproduire les mêmes efforts, parce qu'on avait failli gagner ce match. Donc bon, a-t-on appris de ces choses-là ? À voir. Encore une fois, on va voir si les enseignements ont bien été tirés hein, de ces matchs précédents. Le changement avec la sortie de Pedro Nova à la 16e minute et l'entrée de Tony Sébastien, second gardien. Voilà, Tony. Et on n'a pas eu le temps vraiment de s'échauffer. Ouais. Avec ce froid glacial. Vraiment glacial. Là, il va devoir se frotter un hein, franc. Et par contre, 17 mètres, par contre, qui est sorti ? Pedro Nova. Pedro ? Une solution offensive, en moins, c'est logique. Voilà. Avec Pedro qui joue d'habitude plus offensif que Joël. Donc, à mon avis, il a peut-être voulu fermer avec Joël et Redouane ce milieu de terrain. Regardez, au final, un milieu plutôt à deux vraiment collés pour empêcher les attaques dans l'axe, comme on l'a vu sur cette action qui avec un contre à l'origine. Ouais. Bah, on avait vu de toute façon dans ces 10 premières minutes que les dangers étaient sur contre hein, et que Saint-Quentin joue vraiment ses contres à 100%. Exactement. Et là, il y a un coup franc à jouer aussi à 100% avec une combinaison qui va être assez délicieuse. Deux joueurs positionnés devant le ballon qui vont s'effacer pour finalement combiner, frapper dans les gants. Je sais pas si c'était ce qu'il y avait de mieux à faire. Hein, c'était audacieux. Voilà. C'est essayer, c'est travailler. Avant. Attention. On s'attendait vraiment avant les deux joueurs s'effacer pour masquer au maximum le mur et décaler ensuite. Mais finalement, c'est un décalage, on frappe en pivot de Simon Dia. C'est toujours sympa de voir des combinaisons comme ça, c'est toujours un peu travaillé. Voilà, travailler l'entraînement. Peut-être mieux à faire tout de même, à cette distance du but. Oui, après quand ça réussit, c'est... On dit que c'est bien joué, voilà. Bravo. Allez, coup franc. Une quarantaine de mètres, Kevin Dias avec son pied gauche pour frapper ce coup de pied arrêté. Oh, c'est bien frappé dans la surface, c'est OM renvoyé par la tête. Du numéro 6 Boucher. Attention à gauche, le 10 vraiment tout seul, isolé. Attention avec ce ballon qui a été repris par bien celui qui a eu le coup franc. Et vraiment attention à ces contres hein, qui font vraiment très très mal hein, de côté de Saint-Quentin. On avait dit que c'était des matchs difficiles à jouer, bah, la preuve, avec des faits de match toujours... Toujours délicat, il faut rappeler hein, que Saint-Quentin est quand même le premier relégable de ce groupe. En effet, c'est fait 12e. Relégable, mais c'est sûrement depuis le début de la saison l'équipe qui nous a montré le plus de qualité dans le jeu dans le premier quart d'heure. En effet, qui attend vraiment bien l'adversaire, mais ici qui presse assez haut. Le pressing là de Camara qui peut reprendre, qui peut frapper. Ça passera à côté du but de Sébastien, qui finalement commence à se chauffer. Mais vaut mieux qu'il se chauffe plutôt en soutenant dans sa surface, en faisant quelques petits appels, plutôt que d'avoir des frappes au but. Justement, comment on le gère ? Une entrée en jeu comme ça, quand on est gardien de but. Ça, c'est des entrées vraiment très très difficiles hein, à juger. Déjà, il faut s'échauffer très très rapidement sur le côté. On n'a même pas le temps de faire quelques mouvements que c'est à nous de rentrer. Et ici, directement sur une situation délicate qui est un coup franc dans les 18 mètres, hein, vraiment, clairement. Et voilà, vraiment être très très concentré directement, hein, être directement dans le match parce que souvent quand on est deuxième gardien, on n'a pas l'habitude de ce genre de choses, on ne s'attend pas forcément à rentrer. Et voilà, hein, ce sont des faits de jeu et tout de suite être dans le match. Ça fait partie de la vie du gardien. Voilà, en effet, toujours être concentré à 100%. Parce qu'on n'est pas finalement quand on est seulement en rôle de faire valoir. Voilà.
à la rigueur entraîneur de gardien à l'échauffement. On est bien plus que ça, surtout dans un nouveau palais, un nouveau coup franc. C'était vers un tête de Joël Sakhi. C'est envoyé en deux temps, ça reviendra pourquoi pas avec Diogo Torres de manière acrobatique. Attention avec... C'est essayé, hein, c'est bien essayé. C'est bien tenté de sa part, hein, pour déjà reprendre le second ballon, aller le chercher comme cela, de manière acrobatique, et ensuite tenter d'une reprise. Demi-volée. Et ça montre aussi l'implication, hein, des joueurs de Saint-Maur. C'est que malgré le carton rouge, malgré les opportunités, Les connaissants, ils vont tenter. Ils vont tenter de revenir au score et même de gagner ce match, hein, les connaissants. Psychologiquement, remporter un tel match à 11 contre 10, et en plus avec son gardien titulaire qui a été exclu, ça pourrait être aussi une très très bonne chose. On est quand même loin pour l'instant. On est loin, hein, pour l'instant. On est qu'à la 21e minute, 0-0. Avec une équipe de Saint-Quentin qui joue toujours les coups à fond, hein, devant, avec leur pointure offensif. Voilà, parce qu'ils sont 4 devant, mais et voilà, les 4 vraiment qui jouent très très haut, et le pressing comme on le voit ici là. Avec encore une fois les premiers relanceurs qui sont mis en difficulté, Joël Sakhi. Et toujours on voit Johnny avec des problèmes d'appui quand même. Ouais, dans le central, Diogo Torres contré par le bon retour de la part de Silla. Silla qui prend un rôle un petit peu plus offensif, hein. D'ailleurs au fur et à mesure, attention. Un nouveau ballon qui sera dans les pieds de Simon Dia. Attention au deuxième poteau. Hein. Ah, pourquoi pas tenter Camara au deuxième poteau. La récupération de Redouane Kerrouche. C'est pas très bien entendu là pour le coup avec ces joueurs offensifs. On va pouvoir repartir de derrière avec Coran. Diogo Torres dans le rond central. Redouane Kerrouche en défense centrale avec Joanne Coran. De reprendre bien le jeu, le cours du jeu en place, hein, jusqu'à la 13e minute. Et comme on l'a dit au début de ce match, notre équipe de Saint-Maur a toujours du mal à se mettre dans les matchs, hein. Toujours, hein, ce petit défaut, hein. Ça se répète encore un petit peu ce soir. Attention, la faute là, la faute sur Johnny Ramos. Et on entend toujours ses supporters crier. Ça fait partie de cette ambiance assez chaude. Et attention, en effet, attention à ce pied gauche de Kevin quand même. Une bonne patte. Hein. Très bonne position avec 4 coéquipiers dans la surface, plus Diogo Torres, une vingtaine de mètres. Et on voit que Saint-Quentin a quand même bien fermé derrière. Mais c'est presque du 1 pour 1, attention. Hein. Johnny Ramos, puis parcelle de Joël Sakhi, sans pour autant trouver le cadre. Grosse occasion à la 23e minute. Sans cadrer cette tentative. Grosse alerte sur le but de 50. Attention à la récupération. Avec Johnny Ramos qui fait l'effort. Feinte de frappe, il se remet sur le pied droit. Nouvelle feinte. Pour rejouer sur Joël Sakhi, il va faire l'effort pour garder le ballon dans la surface de réparation. Sakhi sur le pied droit pour un bon centre. Il est fauché dans la surface de réparation. Rien n'est sifflé pour autant par l'arbitre. Monsieur Crampon est dans la foulée. Ici, il en revanche une faute contre Kevin Diaz. Oula, ça devient assez chaud là. Vaut mieux rester dans le match sans discuter, sans contester les décisions de Monsieur Crampon. On a vu le banc de Saint-Maur se lever dans un seul. Tout Madame le staff, la déléguée est obligée d'aller calmer d'ailleurs les remplaçants et le staff de Saint-Maur. Bien rester dans le match, pas discuter, même si on peut estimer qu'il y avait une faute éventuellement sur Joël Sakhi. Pas pour autant s'énerver. Voilà. Autant les supporters peuvent, mais... Après, ils sont dans leur rôle, ils sont aussi chauvins. C'est un peu logique, hein, qu'il conteste, qu'il crie en tribune. Par contre, les joueurs, le banc... Ah, attention de pas reprendre de carton. Déjà qu'on est à 10 contre 11, on n'est pas en position de force, là. Justement, M. Crampon va se diriger vers le banc de Saint-Maur. 25e minute. C'est déjà très chaud, ici au Plessis Trails. Vers Dacosta Frédéric, en effet, notre coach adjoint. Voilà, pour accompagner Carlos Secretario tout au cours de cette saison. Vous savez, ce grand geste, hein, le stop, c'est la dernière fois. Voilà. Ça semble être
sorte de carton jaune pour le banc. Crochet en cartade. Ah, le pressing. Le gros pressing de Kevin Diaz. Glissade. Attention. De Badia, et pourtant le ballon va rester dans les pieds des joueurs de Saint-Quentin. Seulement quelques instants. Récupération de la part de Johnny Ramos. Redon Kirouche. On va revenir derrière avec Coran. Pas trop de solutions pour l'instant. Va-t-il passer par du jeu long vers Johnny. Johnny Ramos au jeu. Ouh. Kevin Diaz peut-être en position de hors-jeu. Ouais, je pense, oui. Kevin Diaz. Monsieur Crampon laisse le jeu se poursuivre avec la bonne intervention de Philippe Sarmento. Mais on voit notre équipe de Saint-Maur toujours essayer de se projeter vers l'avant, en effet, de jouer vers Johnny pour retrouver Kevin dans la profondeur sur cette action-là. Donc ils ne baissent pas les bras, hein, comme prévu. Ils vont essayer vraiment de revenir au score et de gagner ce match. Surtout qu'une équipe qui est en supériorité numérique, elle laisse quand même plus d'espace que lorsqu'elle joue à 11 contre 11, voire à 10 contre 10. Là, il y a des coups à jouer. En effet. Bien les exploiter, hein, ces quelques ballons, comme bien sûr ce coup franc de Kevin Diaz repris par les têtes de Johnny Ramos et Joël. Et Joël, juste après, vraiment surpris, hein, que ça lui arrive dessus. Il ne s'attendait pas vraiment à voir son partenaire ne pas cadrer cette tête. Ah, une belle récupération de la part des défenseurs de Saint-Maur en jouant long vers Johnny Ramos, pris dans ce duel aérien par la bonne intervention de Youssoufa. En défense centrale, Denimal qui le rejoint avec Youssoufa, toujours dans ce couloir gauche. Système de jeu privilégié pour l'instant par les gens de Saint-Quentin, vraiment dans la récupération du ballon. Ils sont plutôt efficaces, mais coup franc. Faute, en effet. Si, c'est signalé. Sur Diogo Torres. Et on joue rapidement ce coup franc vers la tête de Kevin Diaz, pris dans ce duel aérien. Directement dans les gants de Louis Cédric Barré. Mais c'est vrai que notre coach Carlos Secretario a décidé d'adapter la même tactique que quand on a pris le rouge contre Noisy. Il va peut-être passer à trois défenseurs quand ça va devenir un peu chaud en fin de match. Ce qui donne l'avantage d'avoir potentiellement deux latéraux très offensifs. Voilà. C'est l'avantage de cette défense à 5 ou à 3, surtout quand on est en infériorité numérique, on est un peu en déficience de solutions. C'est vrai qu'on a joué quelques temps à 3 défenseurs, on a joué plusieurs matchs comme ça, on est capable, on connaît cette tactique, on est capable de s'adapter, on a joué à plusieurs dispositifs et on s'est toujours adapté. Attention quand même à ce nouveau ballon là sur le côté de... Attention. Ça arrivera dans la surface de réparation. Attention. Avec pourquoi pas une frappe qui va être renvoyée par un tacle de Hugo Reis. La tentative... Ah, c'est bien joué quand même. Hein. Il combine très bien quand même cette équipe de Saint-Quentin devant. Hein. C'est dangereux. C'est très dangereux. Et principalement le côté gauche. Hein. C'est un côté à fermer. Voilà. Vraiment à fermer. Sans oublier aussi que des joueurs comme Dia, comme Silla peuvent arriver éventuellement du côté droit et donner beaucoup de solutions sur le côté gauche. Ils peuvent être rapidement en supériorité numérique s'ils jouent bien les occasions, mais surtout ils perdent beaucoup de ballons dans ce secteur de jeu, comme maintenant avec Diogo Torres qui récupère. Vers Kevin. Ah là là. Je pense qu'il va falloir essayer de garder peut-être un peu plus ce ballon plutôt que se projeter à 1 contre 4 là tout seul devant et Johnny et Kevin. Après c'est toujours difficile hein, dans ces conditions là. Attendre le bon moment. Ouais, la patience est le maître mot. Voilà. Comme toujours, lorsqu'on est à 10 contre 11. On voit maintenant un bloc assez bas hein, maintenant de notre équipe de Saint-Maur et voilà. On voit qu'ils attendent vraiment l'adversaire au bon moment. Attention. Attention, un nouveau ballon là pour Simon Dia. Simon Dia qui arrive à entrer la surface, il rejoint Camara. Ballon prolongé finalement sur le côté droit avec Yuan. Percussion pour un centre contré par Hugo Reis. Premier corner du match en faveur de Saint-Quentin. Une première indication sur la solidité défensive hein, de Saint-Maur sur les coups francs. Oui. Il faudra maintenant juger la performance défensive sur les corners. Voilà, sur les corners. Ouais. Qu'on a travaillé aussi hier. On a beaucoup travaillé les coups francs et les corners hier soir, donc on va voir cette solidité. Et le corner qui va être frappé par numéro 11,
Dia, ça a été repris par un joueur de Saint-Quentin sans grand danger. Ça file en dehors des milieux terrain. C'était Samuel Denimal qui a coupé ce ballon au premier poteau. Sur le pied droit. Ça passe à côté. On va voir si on essaie toujours de repartir derrière, de produire du jeu ou pas. Ou si on va essayer de jouer long vers Johnny. Habituellement, mais dans cette configuration, ouais. Dans ce jeu-là, pourquoi pas aussi relever sur Kevin Diaz, hein, deux joueurs ouais. qui sont bons dans le domaine aérien et qui ont surtout un physique hein, qui peut ouais. Être très intéressant. Kevin Diaz qui demandait dans la profondeur, c'est finalement récupéré par la défense avec le latéral Kay, qui avait récupéré Benjamin Kay. Récupération de Redouane. Redouane qui a rejeté, passe un joueur. Allez, Redouane. Qui va devoir se remettre sur le pied gauche. Ah, dommage. Qui était en position de hors-jeu. Et attention aussi à bien gérer les efforts de Kevin et de Johnny, hein, s'ils veulent pas trop s'épuiser rapidement. Ils sont au genre de Saint-Quentin là, qui est resté au sol sur la ligne médiane, ah. Ah, quasiment oui. Devant les bancs de touche. Semble que ce soit Anthony Boucher qui soit touché sur cette action. Numéro 6 de cette équipe, c'est bien Anthony Boucher, touché à la cuisse gauche visiblement. Se relever non sans mal, hein. Il boite quand même pas mal. Ce froid, les coups sont plus durs. Hein. Ah oui, on met plus de temps à se relever, ça c'est sûr. Hein. Ça refroidit très vite. Avec Kevin Diaz, moi c'est très le dégagement. Ça arrive sur récupération. De go. Redouane qui essaie de se projeter vraiment rapidement vers l'avant, encore une fois. On sent qu'il peut vraiment percer hein, ouais. Cet axe défensif de Saint-Quentin. On a tendance aussi à se débarrasser rapidement du ballon. Attention encore à se cuire en retrait hein, pour le gardien. Et l'idéal vraiment, ça serait vraiment de réussir à mettre un but et de fermer derrière. Hein. Là. Ce serait vraiment l'idéal. Avant la mi-temps, il reste allez, on va dire 15 minutes avec le temps additionnel. Et la touche. Vers Kevin. Qui essaie de rejouer sur Kevin Diaz en surface de réparation. La balle en retrait de Kevin Diaz, c'est sur mon poteau. Avec non. Un peu Diogo Torres en deux temps. Diogo Torres qui va Il a manqué une première tentative. Ça lui revient dans les pieds. Il a choisi le premier poteau. C'était pas forcément la meilleure solution. Et puis surtout, il a choisi son mauvais pied hein, parce qu'il est droitier, Diogo. Alors qu'il avait tout le temps, donc oui. À voir. Bon, c'est un choix rapide à faire aussi. Hein. Un ballon dans les pieds comme ça, il a choisi la précipitation, je pense. Trop précipité. Voilà. Surtout qu'il a un contre favorable. Hein. Il tente une première fois. Oui. Et se retrouve tout seul, presque dans les 6 mètres. Hein. Ah, c'est dommage. Allez. On va pas s'en mordre les doigts. Allez. Position de hors-jeu. Ouh là là. Mais là on là reviendra là. À la faute sur Johnny Ramos. Et on voit notre équipe de Saint-Maur beaucoup mieux hein, dans cette fin de deuxième mi-temps. De première mi-temps, excusez-moi. Il va même y avoir un carton jaune ouais, carton. Contre le défenseur central, a priori. Youssoufa, ça sent bien entre lui avec le numéro 4. C'est bien. Youssoufa averti. Et opportunité. Non, encore une fois sur coup franc. Mais bon, le frapper, Philippe Sarmiento. Soit il y a une frappe au but et ça peut être. Attention. Dans tous les cas, ce qui se passera dans la surface. C'est pas fini, attention. Récupération quand même. Quand sur ce second ballon. Joël Sacchi. Sacchi sur pied gauche. Ah, il a lancé Joël Sacchi, il va être arrêté ouais. Par un bon tacle. Joël, un pur gaucher. Hein. Pur gaucher. très bon joueur. Il a bien fait d'insister hein, sur son pied gauche, essayer d'obtenir le corner concédé par Cheikh Yuan. Ce sera le premier corner du match pour Saint-Maur. Promis. Ah. On va voir hein, si on a bien travaillé ça aussi, entraînement. Aussi
bien offensivement que défensivement. Donc. Frappé par Kevin. Ça sera sortant. Hein. Ouais, avec son pivot gauche corner sortant. Toujours 4 joueurs dans la surface. 5 même. Kerouche va arriver dans les 16m50. Et Diogo Torres avec un second ballon qui va ressortir après la tentative de Joel Sekin. Gini Ramos, pardon, qui était bien repris. Corner qui nous donne leur aïe, aïe, aïe. Petite faute. Ouais, petite faute par Johan. Voilà, intelligent. Et on voit un bloc vraiment qui se replace assez rapidement là maintenant. Donc, il ne devra pas être surpris par ce jeu long. Bonne tête. Encore une fois de la part de Paul. Attention à Johnny. Voilà, toujours ce jeu de corps. Ouais, surtout c'est. Un ballon encore une fois repris par les défenseurs de 50. Hein. On essaie de s'appuyer sur Camara. Durant. Qui trouvera le soutien de son latéral Kai. Encore une fois, Simon Dia qui peut reprendre. Bien arrêté par Jean Fonseca. Et de suite, jeu dans la profondeur. Qui est pour rejouer avec Johnny Ramos. On commence à jouer un petit peu plus long des deux côtés aussi. Jouer sur la profondeur avec les joueurs de taille, les joueurs de gabarit. Peut-être passer un peu plus par le sol. Oui, peut-être essayer de produire un peu plus comme on sait le faire. Passer un peu plus par derrière avec nos bons milieux de terrain assez techniques, Redouane et Joël. Bon, après, ils choisissent aussi l'option de Johnny qui marche aussi assez souvent. Mais bon, essayer de varier peut-être un peu plus. Donc c'est possible, hein, varier le jeu court, le jeu long. Ça pourrait offrir de bonnes solutions. Ouais. À savoir pourquoi pas d'ouvrir le score. À nouveau du jeu long pour essayer de retrouver Simon Dia. Bonne récupération. Vers Kevin. Kevin Dia s'alerte. Voilà. Attention, les petits coups là. Limite. La poussette limite quand même. Hein. Bon. Par contre, on voit une équipe de Saint-Quentin moins produire devant, moins produire. Essayer de jouer peut-être un peu plus long sur Camara et leur numéro 10 là. Ça marche peut-être un peu moins, donc tout avantage à nous. Attention à la perte de balle ici. Ouais, Kerouche qui passe au travers, Simon Dia. Qui écarte directement ah, attention, côté gauche, c'est leur compte qui font mal ça. Encore une fois, c'est ce côté gauche offensif qui est en vue. Sidi Bé entrer la surface, qui piège un type, qui rejoue sur Badia. En retrait pour Sidi Bé, le danger arrive dans cette surface avec la frappe du pied. Attention, encore. Simon Dia. Bonne récupération. Très bonne récupération par Joan. Un petit peu de mal à relancer. Attention. Assez proprement le soutien avec Johnny Ramos, l'accélération sur le côté droit. Ah, faute. Il va même obtenir un. Ah non. Et pas du tout. France, on attendait éventuellement une petite faute. Le coach de Critario s'en étonne même sur le banc. Ouais, en effet. Il s'agace. Coach plutôt habituellement assez calme, hein, le coach Carlos Critario. Que son équipe est réduite à 10 très tôt dans le match. Il sait que ça va être difficile en tout cas. Il le sait. Que c'est un match difficile avec ce fait de match à la 10e minute là. Donc il va essayer de pousser notre équipe au maximum. Tenir sur la fin de cette première période. Hein. Tenir déjà le 0-0. Ensuite imaginer. Comment aller chercher les 4 points en seconde période. Ouais. Mais on voit notre équipe essayer de pousser quand même avec une occasion là-bas de Diogo et même la tête de Joël Saki. Donc peut-être une ou deux opportunités peut-être encore. Et surtout, attention. Pas en laisser aux adversaires. Voilà. Camarado jeu, qui ne reprend pas le ballon contre Favara quand même avec Boucher. Anthony Boucher qui s'était bien battu pour reprendre ce ballon. Simon Dia n'arrive pas à l'exploiter. Encore une fois, le gros pressing au milieu de terrain de Diogo Torres qui fait reculer légèrement Saint-Quentin. On repartira quand même. Toujours sur ce côté gauche. Hein. Le côté gauche avec Sidi Bé. On appuie avec Camara. Une solution qui s'offre pour l'instant dans l'axe. On va rester légèrement sur le côté gauche. Changement d'aile. Du pied gauche. Très bien joué. Le rebond favorable à Yuan. Attention là. Il y a du monde. Hein. Doublement, ce sera un centre direct vers Camara qui se trouve dans la surface. Ouais. Pas de faute. Peut-être pas trop espérer non plus.
bien gêné Thibaut Torres, bien gêné très rapidement, aussi bien du côté de Saint-Maur que du côté de Saint-Quentin finalement ce soir. Les premiers relanceurs sont de suite bousculés à la relance, ils sont chassés assez bas dans leur moitié de terrain. À notre équipe aussi maintenant de s'adapter et de voir peut-être un peu plus tôt la solution, de se projeter peut-être un peu plus vite avec des solutions bien se démarquer. Ah là là, encore une paire de balles. Récupération, ils sont encore trois joueurs autour de Johnny Ramos pour récupérer. Et Camara qui va totalement se déchirer là sur ce ballon. Sorti de malgré l'effort de Yuan, ce ballon est bien sorti en touche. Et Kevin Diaz pour jouer en touche rapidement vers Johnny Ramos. Attendre quelques instants. On récupère tout de suite le ballon. Récupération rapide de Rice. Ah, c'est bien joué ça. Le centre qui va peut-être arriver sur Kevin Diaz. Dommage. De la part. Dommage quand même. C'était une bonne petite action en jeu en triangle ici. Le petit 1-2 avec. Oula, grosse faute quand même. Peut-être un carton là. Voilà. Deuxième jaune du match. Et pour Silla à la 41e minute. Un carton logique. Oui, en effet, une bonne faute là en plein milieu du terrain sur Redouane. Voilà, une bonne balayette là hein, quand même. Le petit taquet qui fait mal. Et voilà. Qui arrête net l'action. Il offre encore l'opportunité de jouer long vers Johnny. Voilà, qui gagne son duel. Ballon renvoyé provisoirement par Yon. Tout de suite voir la solution. Centre vers Johnny Ramos, sa poitrine. Il faut essayer. Sur le pied droit, la fin de frappe, la fixation. Aïe. Sa chance. Dommage. Terme. Dommage. On voit Johnny qui arrive à garder deux fois le ballon là devant, à gagner ses duels. Donc voilà, c'est une tactique qui paye. Hein. Comme on l'a dit tout à l'heure, peut-être essayer de varier. Ils ont essayé tout à l'heure avec le 1-2 de Kevin et Hugo. Et voilà, ça y est. On commence à avoir des petites occasions quand même. Des petites frappes au but, même si c'est pas encore cadré. Mais comme vous l'avez très bien souligné, Marco, un peu plus tôt dans ce match, Saint-Maur est plus efficace en seconde période. Oui, en effet. Mais attention. Même l'être maintenant, la récupération très haute. Aïe. Vincent Pierron, les passements de jambes, Hugo Torres qui insiste, qui frappe du but de Saint-Quentin. Il y avait l'opportunité de mettre en retrait sur Johnny Ramos ou Kevin Diaz. Une récupération vraiment assez haute. Je pense qu'il y a eu un manque de communication du côté de Saint-Quentin là, sur la relance. Et peut-être qu'on ne lui a pas parlé et qu'on lui a dit que ça venait pas dans le dos. Donc voilà, la récupération encore une fois, un pressing qui paye de Diogo. Le joueur de Saint-Quentin s'était arrêté, pensant qu'il y avait une faute. Voilà. Monsieur Crampon a signalé de suite d'aller vers le but adverse, de jouer. Diogo Torres s'est pas fait prier, mais il a manqué le cadre malheureusement pour Saint-Maur. Il a peut-être attendu un peu trop, il aurait peut-être dû frapper en première intention là, sur cette action. Des Lusitanos ce soir, alors qu'ils sont, je vous le rappelle, en infériorité numérique depuis la 13e minute. Et l'exclusion du gardien Revelino Anastase. Petit jeu de corps là de Johnny Ramos, déséquilibré qui arrive quand même à Aïe. Une petite poussette là. Et c'est joué rapidement par Diogo Torres. Ah, ils sentent vraiment qu'il y a de quoi faire, il y a l'opportunité de faire quelque chose là. Jeune Pan, tranquille avec son capitaine d'un soir, Jean Fonsec. Allez, tout de suite vers l'avant. Il a vu l'appel. Aïe, dommage. Il avait vu l'appel. Il avait très bien vu partir Diogo Torres à la limite du hors-jeu. Un bon appel, quand même. L'appel était bon. Conclusion un petit peu moins bonne. Il s'est bien excentré pour faire son appel dans l'axe, quand même. Récupération. Depuis la 20e minute, est-ce que Tony Sebastião a touché un ballon? Ah bah, bonne question. Je ne crois pas, à part peut-être un 6 mètres. Il a eu le temps de s'échauffer un peu dans sa surface quand même. Il n'a pas eu ensemble grand-chose à faire. Et peut-être pas sur cette action. Si c'est quand même sauvé par Badia, cette transmission de balle un peu manquée de la part de Silla. Badia sur son pied droit. Ballon piqué entrée de la surface. La tête de Simon Dia. Dégagement. Cloche, petite chandelle. De la part de Coran qui va rester à l'entrée de cette surface. C'est prolongé de la tête par Kevin Diaz. Johnny Ramos.
Bien pris par, ah, bien pris là. Au physique, il va tenir. Ah oui, c'est bien joué ça. Le troisième, ce sera un arrêt, mais on reviendra. On revient à la à faute. La première faute. Et pourtant, l'intervention était très bonne hein, de la part de Jean Fonseca, mais. Oui. Première faute commise. C'est normal, hein, on revient à la faute. Hein. On n'a rien à redire sur l'arbitrage de M. Crampon ce soir. Ah oui, pour l'instant, rien. Vraiment. Il laisse les avantages quand il y a à en laisser, comme sur Diogo tout à l'heure. Voilà, donc rien à dire. Rien à dire sur l'arbitrage. 21 bons joueurs, parce que malheureusement, Ravino Anastase est sorti du terrain un petit peu trop tôt. Ouais. Un bon arbitre. Toujours 0-0, on va rentrer dans le temps additionnel. On assiste quand même à un bon match. Hein, quand même. Des bons acteurs, ça nous promet déjà pour le temps additionnel dans cette première période aussi. Pour la seconde, le coup franc, Youssoufa à 30 mètres. Qui choisit de jouer sur le côté pour un centre peut-être. Contré. Attention là. Pas perdre des ballons bêtement entrés de la surface. C'est bien dégagé par Joël. Voilà, faire sortir le bloc. Et de suite remonter sur Youssoufa. Encore une fois sur le côté gauche. Face à la moitié terrain adverse. Ah, changement d'aile. Attention. C'est bien récupéré par Ogoré. Serein. Bon contrôle. Bonne relance. Et voilà. Et tout de suite vers l'avant. Attention. Le contrôle. À grandes enjambées qui va passer l'immédiate solution. Pourquoi pas sur. Bien joué. On rejoint un petit peu plus vite devant avec Johnny Ramos qui va insister avec pourquoi pas le centre de Philippe Sarmento. Ah, c'est un petit peu trop haut. Pour encore. Attention, pressing. Voilà. Personne sur le second ballon. Dégagement qui va arriver. Voilà, faut la remettre. Aïe. C'est pas très précis là pour. En effet. Qui ne va pas concéder la... On commence à avoir quelques erreurs techniques quand même, hein, au niveau des passes, comme celle de Camara tout à l'heure. On a un petit côté fil aussi de Ougoris qui ressort à l'instant. Il se replace dans son couloir. Ouais. Il prend la balle au vol, il se replace, il la redonne. On temporise un petit peu quand même. En effet. Et à l'expérience, on a quand même des joueurs d'expérience hein, dans cette équipe de Saint-Maur-Lusitanos. Eh oui. Là, c'est les petites secondes qui sont grappillées en voilà. Fin de période pour pouvoir se replacer. Attention là quand même, le côté gauche toujours. Hein. Badia, l'accélération dans la surface de réparation, il est contré par un très bon retour de la part de Kérouche. Sûrement pour l'instant le joueur hein, du match, le joueur de cette première période. En effet. Omniprésent au milieu. Omniprésent. Ouais. Et on revient défendre aussi. Très précieux dans l'animation offensive et défensive de Saint-Maur. Il joue vraiment bien son rôle, hein, Redouane, en tant que 6 là, et il s'est très bien adapté depuis le carton rouge. Ah, c'est une tâche compliquée pour lui. On a vu une glissade aussi de monsieur l'arbitre, monsieur Grand, qui malheureusement a une petite glissade. Ouais, oui, le terrain est compliqué pour tout le monde. Il peut se relever avec l'aide de Joël Sacchi. Glissade de l'autre côté, le terrain devient bien compliqué. On l'avait annoncé que ce soit pour les joueurs ou pour Monsieur Crampon, ça devient assez délicat. Ouais, ça se dégrade. Et on voit déjà quand même 2 minutes de temps additionnel là par rapport au carton rouge à mon avis. On a eu 3 minutes, hein. 3 minutes d'interruption ouais. Puisque le rouge était à la 13e. Tony Sébastien est rentré à la 16e. 3 bonnes minutes d'interruption, on va aller. Encore une trentaine de secondes dans le temps additionnel minimum, hein, minimum dans cette première période. Pour les dernières secondes, rentrée de jeu pour Philippe Sarmento. La tête de Sidibé. Encore une touche. Au même endroit. Voilà. Pour Philippe Sarmento. Je pense que les deux équipes attendent la mi-temps là. Ils se mettent trop chaud un petit peu. Voilà. Et bien réfléchir aux tactiques à mettre en place pour la deuxième. Du côté de Saint-Maur que de Saint-Quentin. Saint-Quentin a montré de belles qualités dans cette première période. Une belle adversité. En étant pourtant premier relégable. Et il leur reste une dernière action. Soit pour tenir, soit pour ouvrir le score. Pourquoi pas une 2 entre Diogo Torres et Hugo Reis. Torres va vers l'avant. Torres garde ce ballon une fois, deux fois, trois fois. Avant d'essayer de mettre dans la surface pour Kevin Diaz. C'est renvoyé sur Joël Sacchi. Bonne combinaison encore une fois dans le couloir, on ne va pas dédoubler, cette fois-ci on va centrer directement vers Kevin Diaz qui ne reprendra pas ce ballon. Le dégagement encore une fois vers Ogoreis. Ça se complique vraiment, le ballon qui va passer au-dessus du joueur de Saint-Quentin. Et là, par contre ça va vraiment contester en tribune. Il y avait l'opportunité avec Johnny Ramos, ouais. D'abord une bonne occasion, monsieur l'arbitre arrête le jeu alors que le ballon revenait dans les pieds de Saint-Maur. On a peut-être dû l'arrêter un tout petit peu avant pour éviter les contestations. Ouais, ça c'est sûr. Hein, 45e plus 5, on va même dire. Voilà, quand même. Sur le temps additionnel, voilà. Minimum.
à 8 ans sur ça, avec 51 au sol. En tout cas, je ne vois pas l'arbitre siffler à la bouche, en tout cas. Hein. Pas encore. Yeah. Chekyouan qui va sortir. Qui va peut-être entrer au vestiaire un petit peu avant tout le monde. Hein, trop chaud, en la mi-temps. Ça, c'est une balle à terre. Ballon rendu par Samuel Denimal. Et le jeu se poursuit. Cinquième minute du temps additionnel de cette première période. Boris vers Kevin Diaz. La glissade de Kevin Diaz. Attention à bien se parler dans la défense centrale. Le bon renvoi serein de la part de Samuel Denimal. Et Anthony Boucher fait des succès au milieu. Attention à ce ballon donné dans la profondeur par Benjamin Caille. Et ne pas se gêner entre Caille et mauvaise Camara. Communication là. Pas très bien joué. On est plus à 10 contre 10. Yuan va faire son retour sur l'aire de jeu. Non, encore une fois, Hugo Reis pour garder ce ballon. Qui est rouge. Joël Sacco. Et on voit quand même. Attention, oulala, oui. Pas de main de sifflet. Joël Sacchi. Ouais, très bien joué là en première intention pour Hugo Reis. Contre favorable, va-t-il obtenir la touche, ça reste finalement dans le terrain. Voilà, ne pas se jeter. J'ai eu peur quand même que Joël Sacchi ne commette la faute. Ah oui, j'ai. Avec Silla. Dia, attention sur le côté gauche. Contré par l'arbitre. C'est parti du jeu. Ouais. Ça ne va pas vraiment avantager Saint-Quentin. La bonne intervention maintenant sur Hugo Reis. Cette première mi-temps qui se poursuit. 51e minute. Hein. 45e plus 7. Est-ce que vous avez déjà joué des premières périodes aussi longues? Non, j'ai jamais vu ça. Parce que là, ça fait quand même bientôt 7 minutes de temps additionnel. C'est un peu digne du Fergie Time. Ouais. Et il a pas l'air impatient de siffler, monsieur l'arbitre. Il se plaît sur le terrain. Ouais. En même temps, on est une première période de qualité, autant la faire prolonger un petit peu. Il faut quand même regarder son chronomètre. Allez, après 7 minutes de temps additionnel, score de 0-0. Une première période de très bonne qualité. On a vu certes, on a vu des occasions. On a vu un fait de match à la 10e minute. On va le revoir justement ce fait de jeu, ce carton rouge là de Rebellino Anastase. Et tout part d'une relance, vous voyez, à la 12e minute, assez anodine, avant de revenir dans le rond central. Et il y a une première faute qui est commise par sa mort de Joël Sacchi. On s'arrête un petit peu, le jeu se poursuit. Quel bel appel. Hein. Et l'appel, vous voyez, dans la profondeur de Badia qui est excellent, et Rebellino Anastase qui commet cette faute qui lui vaut un carton rouge. Pourquoi il te fait pas jouer ? Je préfère faire commentateur. Carton rouge et donc l'exclusion du portier de Saint-Maur. Coup dur, on peut le dire, mais finalement Saint-Maur s'est très bien remis dans le match. Il garde pour l'instant ce score de 0-0 avec les meilleures occasions. Et oui, en effet, on a vu après la 20e minute l'équipe qui s'est vraiment bien mise en place, qui s'est adaptée à ce fait de jeu. Et on a vu vraiment des occasions plusieurs fois, mais pour Diogo Torres, hein, avec sa frappe du gauche qui passe juste à côté. On marque une courte pause, mi-temps donc sur le score de 0-0. On vous rappelle donc ce fait de jeu, vous avez pu revoir le carton rouge de Rebellino Anastase, le gardien, à la 13e minute. Tout reste à jouer ici à Saint-Maur.
de retour en direct du Plessis Trévise pour ce Saint-Maur face à Saint-Quentin. Match haut aux couleurs. Déjà en rouge à la 13e pour Révino Anastas, le gardien. Et ensuite beaucoup d'occasions de part et d'autre. Ouais. 0-0 à la mi-temps. Après 7 minutes de temps additionnel dans lesquelles on a eu des occasions aussi. Aussi. Autant dire qu'on a du suspense pour les 45 dernières minutes, mon cher. On a fait une première mi-temps à deux sens, hein, parce qu'on a vu donc une première partie de première mi-temps pour en faveur de Saint-Quentin et ensuite la deuxième partie pour Saint-Maur avec beaucoup d'occasions quand même. Un match très équilibré, très intéressant à suivre ce soir. Saint-Maur à 10 qui continue de produire du jeu. Et changement, tiens, qui semble se préparer d'entrée de jeu pour cette seconde période avec l'entrée en jeu de Jordi Hendžić. C'est un 6. C'est ce que j'ai compris. C'est un 6, je crois. Un récupérateur qui serait donc à la place de Anthony Boucher, il me semble. Milieu défensif, donc ce sera Anthony Boucher qui cède sa place. On n'a pas encore la petite pancarte, mais il me semble bien que c'est Anthony Boucher qui avait été touché sur un contact en première période, qui donc cède sa place à la mi-temps. Saint-Maur, pour le coup d'envoi de cette seconde période, sur votre gauche, Saint-Quentin sur votre droite. Espérons une deuxième mi-temps avec un but. Hein ? Espérons. Attention ! Espérons avec première opportunité. Première opportunité pour... Encore une fois, Diogo Torres. Effectivement, toujours Diogo Torres. Mais toujours pas de frappe cadrée. Toujours pas de frappe cadrée. Ça va venir. Un peu de patience. Allez, le renvoi du gardien qui arrive directement sur le nouvel entrant. Hendžić, donc milieu récupérateur. Attention, deuxième poteau là, deuxième poteau derrière Philippe. Ouais, pas trop de solutions, obligé de revenir en retrait avec voilà. Le latéral droit hein, présent en première période. On l'a vu, hein, Benjamin Caille, joueur important de cette équipe. Et Johnny Ramos prend une première récupération. Kevin Diaz en infériorité numérique, il va attendre la montée de Johnny Ramos sur le côté gauche pour lui glisser le ballon dans le couloir, dans l'intervalle. Johnny Ramos sans trop de solution qui doit attendre la montée de Kevin Diaz dans la surface, bien repoussé. Par la défense de Saint. Par Jordi Hendžić. Voilà. Donc on voit notre équipe de Saint-Maur vraiment bien repartir cette deuxième mi-temps avec des ambitions. Hein. À mon avis, Carlos Secretario. A bien mis en place son projet de jeu pour la deuxième mi-temps, vraiment marqué un but. On repart sur les mêmes bases hein, au final que lors de cette première période voilà. Avec deux équipes offensives, deux équipes qui sont vraiment très agréables à voir jouer. Et on en discutait un petit peu à la mi-temps. Finalement, Saint-Quentin ne montre pas le jeu d'une équipe qui est en bas de tableau. En effet, on voit une équipe vraiment se projeter vers l'avant avec des joueurs offensifs très rapides, très techniques. Et vraiment, on ne dirait pas que c'est une équipe qui joue le maintien, hein, vraiment, disons-le. Et qui a encore des belles cartouches sur le banc. On pense notamment à l'ancien joueur du Red Star, Nabil Warghini. On attend son entrée. Hein. Vraiment un très très bon joueur hein, qu'on va peut-être... avoir le plaisir de revoir ce soir. Attention à cette longue touche de Kevin Diaz dans la surface qui est envoyée par la défense de Saint-Quentin avec Samuel Denimal dans un premier temps et Simon Dia ensuite dans sa moitié de terrain. On va essayer de rejoindre vers Camara. Tête de Coran. La tête ensuite du capitaine Jean Fonseca qui ne donne rien. Et Dia encore une fois pour la récupération. Hendžić avec Silla. Jeu écarté sur Sidibé. Attention à Badia. Bien arrêté dans le couloir. Diogo Torres, pas trop de solution. Lâche ta balle. Ouais, en fixation, c'est bien joué. Bien. On rejoue en retrait. Philippe Sarlento. Voilà. Et le dégagement de Johan Corr. C'est ce qu'il y avait de mieux à faire. Là. Le ballon qui reste un petit peu trop dans les airs. Faut le remettre au sol maintenant. Diogo Torres, pourquoi pas. Légèrement approché par MJ qui tient sur ses appuis avant d'obtenir le coup franc. Coup franc bien gratté de la part de Diogo Torres.
Il n'y avait plus grande solution. Hein. Donc attention. Ouais, attention à ces transmissions de balles. Pas forcément très bonne, mais pourtant Ugor Reis arrive à se projeter. Ah. Légèrement accroché selon les spectateurs, comme toujours. Ce crampon n'a pas signalé de faute et le jeu peut se poursuivre avec le bon pressing de Johnny Ramos et le ballon qui est dans les pieds de Kevin Diaz qui va insister sur le côté gauche avec Ugor Reis qui est resté devant le centre qui arrive, mal dans les gants du gardien et Johnny Ramos qui ouvre le score à la 49e minute de jeu. Oh quelle erreur, Oh, une erreur quand même de main. Johnny limite étonné que ça lui retombe dessus. Ça fait 1 à 0 pour cette équipe de Saint-Maur, pourtant en infériorité numérique. Voilà. Et là, je pense que ça va jouer maintenant en contre et bien fermé derrière. Il y a des chances. Il y a des chances là que Saint-Maur fasse ses coups à fond ensuite en contre. Avec ce but inscrit par Johnny Ramos. Le numéro 9 de notre équipe de Saint-Maur. Voilà, au bout de 4 minutes de jeu. Et j'avais dit hein, qu'on était meilleur en deuxième mi-temps. Ça se confirme avec l'ouverture du score là de Johnny Ramos, encore une fois décisif là, au pressing, qui en plus va obtenir le coup franc. Toujours ce travail de sap de Johnny Ramos et qui a quand même de la réussite hein, sur ce but, ça revient sur lui. Et à savoir que le coach Carlos Secretario a des options sur le banc. Attention à ce centre maintenant de Diogo Torres dans la surface de réparation, on a du mal à dégager le ballon à Saint-Quentin et on va même à obtenir un 6 mètres. On en profite là pour revoir cette action du but. Hein. Ça part pourtant d'un coup franc assez anodin. On a du mal à conserver le ballon dans un premier temps. Attention quand même là avec Johnny Ramos. Là on revient au direct. Johnny Ramos qui peut revenir directement dans l'entrée de la surface. Repassons avec le poteau qui est touché sur cette frappe de Philippe Sarmento. Ouh là 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 là. On a failli avoir le 2 à 0 à la 52e. Ah oui, ah, ça aurait été magnifique là sur cette frappe. Ça a été limpide, pur, du pied droit. Et oui, Cédric Barré peut s'estimer heureux d'avoir le montant qui va le sauver. On repart en profondeur, mais position de hors-jeu. Et cette action du but, justement, on en parlait. Avec au départ de l'action, donc, un petit peu de mal à relancer proprement, à revenir hein, sur Ugor Reis. Et pourtant, on perce, on accélère, on récupère les ballons assez haut. Et on peut rejouer après dans la profondeur très vite. Hein, le jeu à 3 entre Ugor Reis et Johnny Ramos à la conclusion de cette action. Allez, nouvelle opportunité, pourquoi pas, avec Diogo Torres. Entrée de la surface, Diogo Torres qui insiste, Diogo Torres qui centre. Ah, dommage. Ça arrive dans les gants du gardien, il avait tout de même une position de hors-jeu au départ. Ouh, y a une faute là, et carton pour Johnny Ramos. Carton à la 53e minute. Et on voit les deux coachs discuter entre eux là, Carlos et Frédéric. Peut-être pour d'éventuels changements, on sait qu'il y a du monde sur le banc. Des battants hein, sur le banc. Rossitou, Rui, Alex, Fabien.
Il y a du monde hein, quand même. On voit les trois à l'échauffement d'ailleurs là-bas, sur le côté. Alors est-ce qu'il y aura plutôt la volonté de préserver le score, préserver l'avantage, surtout que Saint-Maur joue à 10 contre 11, ou en alors fait. D'aller mettre un deuxième but? On va se positionner comment là? Ah, je pense plutôt fermé derrière. Je pense plutôt fermé derrière quand même. On a eu l'opportunité certes avec, avec Philippe, vraiment avec cette frappe limpide et pure sur le. Vraiment presque sur l'équerre hein, du but. Mais bon, je pense plutôt une option à fermer derrière. Ouais, la faute sur Joël Sacchi. Ouais, on revient là. Pris en retard hein, sur, ouais. Sur ce duel. Il reste au sol là un peu. Ouais, il y avait une grosse faute là, commise par, par Silla. Et pour le pied gauche de Kevin, il va essayer de la mettre devant le but. Hein. Essayer de retrouver la tête de Johnny Ramos, comme souvent. Ouais, peut-être. Peut-être celle de Joël aussi, comme tout à l'heure. Redouane aussi qui y va. Quelques pas d'élan pour Kevin Diaz. Un ballon qui est frappé à l'entrée de la surface. C'est repris tout d'abord par la tête d'un joueur de Saint-Quentin. Un défenseur qui était bien placé. Le second cuir pour Kerouche. Centre de Sarmento. Ouais, renvoyé par un défenseur central. Ça reviendra sur Kevin Diaz. Second ballon avec deux joueurs éliminés. On revient sur Johnny Ramos. La frappe de Johnny Ramos qui est mal capté par le gardien de Saint-Quentin. Ah oui. Louis-Henrik Barré a eu du mal à capter ce ballon. Nouvelle tentative cadrée pour Saint-Maur. Ça commence un petit peu plus à cadrer en seconde période. Déjà un but avec Johnny Ramos. On pourra avoir le deuxième, mais attention à ne pas avoir l'égalisation dans la foulée. Le compte de Saint-Quentin sur l'angle droit de la surface de réparation. La bonne récupération. Et la récupération, peut-être calmer un peu le jeu là. C'est ce que semble faire Joël Sacchi. Il prend son temps avant de piquer vers Kevin Diaz qui prend le dessus face au latéral. Joël Sacchi à nouveau. Ah, il rejoue sur le côté fermé. Heureusement que Kevin Diaz a de bons appuis pour conserver ce ballon. Rejouer dans l'axe avec Joël Sacchi qui s'était effacé pour Kerouche. Ça reviendra sur Silibé. Attention, côté appel. Ah, il y a un joli appel là quand même. Ah, et bon, l'appel là de Camara, la défense aussi de Coran en défense centrale était très bonne. Toujours les bons appels hein, des offensives de Saint-Quentin. Attention à bien fermer quand même pour notre équipe de Saint-Maur hein, derrière. On sait que Saint-Quentin est capable de se créer des occasions. Et on voit surtout Joël Sacchi capable de les arrêter, ces tentatives d'occasion, toujours présent devant la défense. À moins de 20 mètres de son propre but, il est pourtant présent pour, comme Kerouche en première période, ratisser un grand nombre de ballons et écarter le danger. C'est vrai, une très bonne première période quand même de Redouane Kerouche qui a bien fermé hein, devant la défense et on le voit toujours ici. Ouais, Diak a pu rejouer avec Badia. Badia toujours sur ce côté gauche un peu enfermé qui arrive à passer devant Diogo Torres mais pas devant Redouane Kerouche. Et Diogo Torres en retrait. Dégagement manqué de la part de Philippe Sarmento. On se bat encore le long des lignes. Diogo Torres à la récupération. Ouais, bien gêné là par Jordi Njik. Parvient quand même à avoir la touche. Le bloc va pouvoir se replacer. Et on n'a pas l'impression, plus le temps passe, que Saint-Maur finalement est réduit à 10. Non, c'est vrai qu'on n'a pas cette impression. Comme je l'ai dit, comme au match contre Noisy-le-Sec, c'est vrai qu'on est une équipe à quand même pouvoir produire du jeu. Oh, attention à ne pas être pris là dans le dos avec cette bonne montée sur le côté droit et le corner. Centre contré, le centre qui était de Cheikh Youan. Nouveau corner pour Saint-Quentin ce soir. Ce sera le premier en seconde période. Oui, attention par contre à ces coups de pied arrêtés. Hein. On voit quand même des joueurs monter là. Ouais, Cheikh Youan pour ce corner, ils vont être au nombre. Les joueurs de Saint-Quentin dans la surface adverse. C'est frappé pour les poteaux. Camara qui reprend, c'est sauvé sur la ligne. Par Hugo Reis. Seconde chance avec un centre qui était vers Youssoufa, qui est bien renvoyé en deux temps par la défense de Lusitano Saint-Maur.
C'était bien joué quand même sur ce corner, hein, là, au premier poteau, attention. Ah, ça pourrait revenir entrer la surface, la récupération de Redouane Kerrouche. Attention, hop, bien joué ça. Ouais, bien fait de se mettre en opposition là, dos au jeu. C'est vrai que ce corner était dangereux quand même, hein, sauvé sur la ligne par Diogo. Il fallait être présent, hein, la nécessité encore de placer des partenaires au premier poteau et au second. Dégagement de Tony. Tony et Sébastien ont rentré au quart d'heure de jeu à la place de Pedro Nova. Après l'exclusion de Ramilino Anastase, le renvoie. Kerrouche, second ballon. Joël Sacchi. Hugo Reis. Cherche à profondeur avec Joël Sacchi sur le côté gauche. C'est renvoyé par la défense. Et toujours ce pressing pour les gênés, Youssoufa. Johnny Ramos était parti au pressing. On reviendra sur la ligne médiane. Attention avec ses ballons dans l'axe, effectivement. Vous l'avez bien dit, Marco. Surtout la très bonne intervention de la part de Philippe Sarmento qui avait refermé l'axe. Ouais, qui a bien refermé l'axe là sur une mauvaise passe là. Et heureusement qu'il était là, hein, parce que ça pouvait être dangereux. Et Saint-Quentin, on voit qu'il essaie de se projeter vers l'avant maintenant. Maintenant qu'ils sont menés au score. Alors, en essayant de rejouer avec Camara dans la profondeur. Camara au duel face à Coran. Ce sera un duel remporté par le joueur de l'Usitano Saint-Maur. Il fait son match, hein, pour l'instant, Johan, vraiment bien en place. Il ne laisse pas passer Camara là. Attention à Dia, Simon Dia, l'accélération. Il veut obtenir la touche. Et on voit le coach de Saint-Quentin qui demande aussi à mettre un peu plus de rythme là, hein, ouais. sur ce côté gauche. Mais en revanche, je ne vois toujours pas de joueur à l'échauffement du côté de Saint-Quentin. Il semble préparer un petit changement pourtant sur les bancs, peut-être un changement du côté de Saint-Maur. On va être patient du côté de Saint-Quentin. Attendre le moment opportun pour faire entrer une solution offensive. Enjic. Ouais, pressé là dans le dos par Diogo Torres, Kevin Diaz qui fait l'effort aussi. Ouais, la récupération dans l'axe de Samuel Denimal était intéressante. La conclusion par contre continue d'un gros déchet technique. Il y a une transmission de balle facile qui est pourtant manquée. Il y a bien un changement là pour sur le banc de Saint-Quentin. Changement qui se prépare donc. Oui. Côté visiteur. Ouais, Sarmento, la touche. Diogo Torres, avec encore une fois Johnny Ramos qui lui avait remis le ballon précédemment. Ça reviendra directement sur le gardien. Attention au duel. Bien joué, Redouane. Enjic. Ah, c'est bien joué. C'est bien joué pour aller retrouver ce milieu offensif extrêmement intéressant. Badia qui ne retrouvera pas Camara dans la surface. Les coups sont plutôt bien joué hein, sur ce côté gauche de Saint-Quentin, mais il y a un manque de présence hein, devant pour conclure qui quand même pose problème hein, pour cette équipe de Saint-Quentin si elle veut vraiment aller chercher l'égalisation. Ouais. C'est vrai qu'il y a toujours un petit problème au niveau de la dernière passe, hein, comme on l'a vu sur Camara. Et attention parce qu'il y a quand même des opportunités devant. Ouais, la bonne intervention de Redouane Kerrouche, c'était autoritaire, c'était osé. Et Joël Sacchi, Johnny Ramos, pardon, qui commet une petite faute. Mais attention à Johnny quand même qui a déjà un carton aussi, hein, on le rappelle. Bon, la faute est quand même petite. Alors, changement. Avec la sortie du latéral droit, Benjamin Caille. Il va être remplacé par Renato Kaoski. Deuxième changement pour Saint-Quentin, 63e minute. Et ça reprend. Coup franc joué petit. Ah là là, ces erreurs techniques du côté de Saint-Quentin. Ça fait deux fois déjà. À noter sur le changement, le repositionnement de Cheikh Yuan arrière droit. Et c'est donc Renato Kaoski qui vient de faire son entrée en jeu et qui reprend la place de milieu droit.
bah, peut-être pouvoir rééquilibrer les attaques du côté de Saint-Quentin, pas trop basculer hein, sur le côté gauche, mais aller un peu plus à droite avec un joueur offensif qui redescend dans le couloir, qui va être donc plus offensif que défensif. Ah, ça pourra laisser des espaces ouais. aussi. Et là, il y a une petite poussette, là, donc une petite faute pour Samor qui fait remonter le bloc, encore une fois. Peut-être encore joué sur Johnny Ramos, là-haut. Voilà, on voit tout le monde se positionner autour de lui. Ça va être joué par Hugo Reis. Long sur Johnny Ramos qui reprend son duel. Joël Sacchi qui arrive à plonger sur Kevin Diaz. Sur la gauche de la surface, le centre fuyant de Kevin Diaz qui passe devant le but. Personne ne peut couper la trajectoire de ce ballon. C'était bien joué tout de même. Et on voit le bloc qui se replace. Chercher à jouer long maintenant. Le renvoi long, justement. Car directement sur Simon Diaz. Attention au pied un petit peu haut de Redouane Kerouche. Le jeu se poursuit. Pied haut un peu de Diego Torres. Duel aérien. Pour remettre le ballon au sol pour Saint-Quentin avec Silibé. Le petit râteau, c'est bien joué. Pour effacer le joueur adverse, c'était de la part de Silla. Njik. Voilà, bloque bien en place Sakhi. Quand même. Hein. Samor qui a bien fermé les portes là. Ouais, avec deux lignes de 4 bien distinctes. Ouais, et Johnny qui reste devant pour essayer de garder le ballon. Il faut faire attention à pas trop reculer non plus. Hein. Ouais, deux lignes de 4, c'est efficace, c'est en place. Mais les prises d'intervalle peuvent être coriaces. Là. Comme maintenant avec justement un joueur qui prend l'axe. Il s'agissait de Silla. Il perce le premier rideau, il cherche à inciter dans l'axe aussi avec... l'un de ses partenaires. On reviendra finalement sur le pied gauche de Carlos qui le sent très bon et heureusement qu'il y a la bonne appréciation de ce ballon de la part de Philippe Sarmento pour laisser sortir ce cuir en 6 mètres. Il faut être conscient, il faut être serein et sûr de soi aussi pour indiquer un ballon dehors. En effet, il a bien protégé, il a bien laissé le joueur derrière lui pour laisser le ballon sortir. Mais attention tout de même hein, parce qu'on voit toujours des petites opportunités sans grand danger mais... Attention tout de même. Ouais, le renvoi sur la tête de Kevin Diaz, ça reviendra au sol avec Youssoufa, Njik, pressé, ballon récupéré encore une fois par Kerouche avec le soutien de Diogo Torres. Kerouche qui tient sur ses appuis, Kevin Diaz maintenant et il ne passera pas. Le premier rideau défensif. Attention Kevin qui reste au sol. Avec une intervention autoritaire mais régulière hein, tout de même de Samuel Denimal. Kevin Diaz. Quand même bien touché sur cette action. Et Jean-Pierre Marek, notre kiné qui va voir qui va voir Kevin. Qui reste tout de même au sol. Hein. Ah, Kevin Diaz qui a l'air bien touché. Puis on voit surtout du côté du banc de Saint-Maur, hein, les joueurs qui... viennent de suite se réhydrater. On vient de suite prendre les bouteilles d'eau. Malgré le froid, là. Et le froid, on le voit très bien aussi. Hein, la fumée autour des joueurs, là. La chaleur des 21 acteurs. Ah oui. En rappelant que Revelino Anastase a été exclu à la fin du premier quart d'heure. À la 11e minute. Ça fait tôt. Ouais. Ça fait tôt, mais... Mais Saint-Maur qui arrive quand même à mener sur un but de Johnny. L'inévitable Johnny Ramos, l'international de Sao Tomé. Faut-il le rappeler. Ouais. Même en CFA2, on peut retrouver des joueurs de très grande qualité et internationaux. Qui prouvent la richesse hein, de nos championnats amateurs quand même en France. Ouais, quand même. Qui a joué donc les barrages de la CAN là récemment. Et de Coupe du Monde aussi. Coupe du Monde. Malheureusement éliminé, mais qui a quand même battu l'Ethiopie 1-0. Et il a failli battre sur ce duel Sidibé avec le petit pont pas validé. Il n'a pas réussi à reprendre le cœur derrière. Il a fait valoir encore une fois sa technique avec sa grande taille. Camara. Ouais, bien gêné, bien récupéré ce ballon par Diogo Torres, encore une fois celui sur ses appuis et des parquets rouges, attention aux pieds qui se lèvent un petit peu trop sur ses actions, notamment Camara qui arrive avec un tout petit peu trop d'engagement, heureusement qu'il ne touche pas de joueur adverse. Une petite discussion entre Kerouche et Sacchi et Kevin Diaz aussi.
notamment sur, sur le remplacement. Allez, Simon Dia. Allez, qui va essayer de repartir de suite sur le côté droit. Trouver le soutien avec Karoski. Attention, ce long ballon. Oh, le jeu long de Karoski, très bon pour aller retrouver Badia. Badia, le long de la ligne, en duel, en 1 contre 1, il ne passera pas. Voilà. Mais surtout, très bonne intervention de Youssoufa dans les pieds de Johnny Ramos. Le ballon va rester dans le camp de Saint-Maur avec ce coup franc concédé par Kevin Diaz. Assez joué rapidement. Avec Yuan pour jouer sur Simon Dia qu'on retrouve à droite, à gauche, dans l'axe. Un joueur un peu électron libre. Attention, dans cette seconde période. Silla qui est trouvé entre les lignes. Et le dégagement contré là de la part de Joan Coran, mais qui restera quand même en faveur de Saint-Maur. Avec Diogo Torres, le 1-2, Kevin Diaz. Joli Torres qui passe avec médiane. Johnny Ramos demande dans la profondeur, dans l'axe. Le ballon ira peut-être à gauche sur Kevin Diaz. Après la fixation, c'est bien joué. Kevin Diaz, il manque un petit peu son contrôle, Kevin Diaz. Et la faute commise dans la foulée par les joueurs de ce critérium. Et c'est encore joué une fois rapidement. Hein. Ah, ils essaient de jouer un peu plus long là. Récupération de Joan. Ah, ça joue encore vers Johnny. Et récupération de Saint-Quentin. Ouais, c'est compliqué hein, de ressortir le ballon là. Hein. De ressortir proprement, de retrouver les attaquants. Et attention, où il y a peut-être une faute. En tout cas, le jeu se poursuit avec Badia qui recule un petit peu trop, qui perd le ballon. Attention. Et Johnny Ramos qui perd le ballon. C'est un peu décousu là depuis quelques minutes. Voilà. Même dans les duels. Oh, quel petit pont. C'est très beau de la part de Silibé. Techniquement, c'est toujours un régal, même si le ballon est perdu derrière. C'est toujours beau à voir dans un match. Vous allez me dire, c'est peut-être un peu plus beau quand c'est de son côté. Allez, Simon Dia, à quasiment 30 mètres, il tente de piquer le ballon dans la surface, c'est contré, ça revient sur Johnny Ramos, qui feinte la temporisation et qui accélère au dernier moment pour obtenir le coup franc. Et carton jaune à l'encontre de Jordi Hendjik. Nouveau carton dans cette rencontre, il y a quand même quelques jaunes, hein. Il y en a eu un du côté de Saint-Maur et c'est déjà le troisième du côté de Saint-Quentin. Et un rouge, on rappelle, du côté de Saint-Maur. À 11e minute, attention ce ballon. Oh Dieu, gros Torres qui a tenté le ballon piqué au-dessus du gardien dans les 5m50 m. C'est manqué, malheureusement pour lui. Et c'est reparti court là, du côté de Saint-Quentin. Petit point sur les résultats, à noter qu'à 17h, Noisy recevait Tourcoing. Noisy s'est imposé sur le score de 2-0. En ce moment même, la réserve du LOSC mène 2-1 face à Grande-Synthe. Donc pour l'instant, Saint-Maur ne prend pas encore la tête de ce groupe de CFA2, mais reste au contact du LOSC avec, pour l'instant, cette victoire 1-0. Encore une vingtaine de minutes à jouer. Les 4 points sont pour l'instant en faveur du club local. Pour cela, il faut continuer de tenir, de résister et placer des banderies comme celle-ci en contre avec Joël Saki qui a déjà passé 4 joueurs qui arrivent dans le rond central. Joël Saki, il va perdre le ballon finalement face à Hendjik. Allez, du jeu long encore une fois, c'est vers Badia, l'un des joueurs les plus techniques, les plus précis de cette équipe. Silibé qui est arrivé au soutien, Silibé les passons de jambes, il est bien arrêté par Philippe Sarmento et le ballon qui est ressorti vers Joël Saki qui va être attention là. Bien accroché, nouveau carton, ce sera un carton jaune qui se transforme en carton rouge puisqu'il est déjà averti, ce joueur de Saint-Quentin qui n'est d'autre que Youssoufa, averti à la 34e minute, il est exclu à la 73e. On finira à 10 contre 10. Voilà. À la 73e. Carton rouge pour Saint-Quentin. Du capitaine, hein, on rappelle Youssoufa.
qui est sorti vraiment directement du terrain. Il a compris, hein, sur le deuxième jaune, il a compris que, que le match était terminé. En même temps, la faute... La faute est logique hein, pour un carton rouge. Faute assez grossière quand même. Ouais, vraiment, faute qui mérite hein, le... Qui mérite le carton rouge. On va pouvoir revoir dans quelques instants. Prochain arrêt de jeu. Saint-Quentin qui continue d'essayer de produire. Et la récupération de Redouane encore une fois. Aïe 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 aïe. C'est juste un peu trop rapidement ça. Et il y a un changement qui se prépare du côté de Saint-Maur. Je pense que c'est Situ qui va rentrer. Situ Aïe. Et là ce serait la. Le moment parfait hein, pour faire rentrer encore un joueur, surtout en étant finalement à 10 contre 10. On pourra encore plus marquer la... On voit le numéro 14, c'est Toahi qui va rentrer donc. Marquer la domination hein, dans cette rencontre. À la place peut-être de Johnny. Car c'est un attaquant de pointe, assez rapide. Ouais, à la place de Johnny Ramos. En temps de ce changement, on va revoir hein, cette action qui vaut le carton rouge. Il y a carton jaune pour Kevin Diaz. Kevin Diaz a pris un carton jaune sur cette action. On va revenir hein, sur cette faute avec au départ hein, de l'action un très gros travail encore hein, des joueurs de Saint-Maur offensivement. Changement pour Stanos, sorti numéro 8, Diogo Torres. Ah non, c'est le numéro 8 qui sort. Ce n'est pas Johnny, mais Diogo Torres qui sort, remplacé par Situ Aïe. Petite surprise. Et donc, ce ballon récupéré, là, par. Regarde donc bien cette action. La faute, elle est grosse. Hein. La faute, elle est vraiment grosse. Et ça méritait largement, donc, le carton rouge contre. Ah, il est sorti vraiment directement, hein. Il a lâché le brassard et il est sorti. Hein. Il avait très très bien compris hein, que là, c'était fini pour lui. Ah, c'est dommage, hein. Toujours dommage de quitter ses coéquipiers comme ça. Hein. Surtout quand on est en supériorité numérique, pardon, on est mené en étant 11 contre 10. Et au final, on est obligé de quitter ses coéquipiers prématurément. Petite faute là-bas, Joël qui reste au sol. Joël Saki qui reste au sol. Ah, attention. En tout cas, un match extrêmement animé. Un but, un rouge de chaque côté, 0-0 à la pause, avec beaucoup d'occasions de part et d'autre. Ouverture du score de Johnny Ramos. Et cet avantage qui tenait en infériorité numérique, maintenant que les deux équipes sont à 10 contre 10. La donne pourrait encore changer, qui sait, dans ce match totalement fou. Peut-être, peut-être. Attention, hein. Voilà, donc avec l'entrée de Situ. Attention ici. Ouais, le bon pressing encore, Kevin Diaz dans la surface, mais c'est bien récupéré par Sidibé. C'est vrai que ça pourrait changer des deux côtés, on sent que ça peut basculer encore. Ouais, pour l'autre équipe de Saint-Maur, ça serait l'idéal de mettre un deuxième là, maintenant. Voilà. Pourquoi pas maintenant, Citoyen. Ah, il glisse beaucoup. Ouais, hein. Compliqué. Compliqué avec cette pelouse qui se dégrade avec le froid et encore une fois un ballon. Attention. Sur le côté pour Camara. Bien joué. Ouais, l'ancien Troyen qui aura quelques solutions. Pourquoi pas tenter l'une de dans la surface de réparation. Attention Camara qui se remet sur le pied gauche. Ça traîne entre la surface. Si là, sur le pied droit, pas de solution de frappe. Il va devoir décaler directement sur Karoski. Aïe,
Ah, il arrive à conserver le ballon, le gaucher, et il va le perdre au dernier moment. Et Johan Coran qui va lancer le contre et qui va continuer son effort. Coran dans la profondeur, qui ne sera pas servi dans un premier temps par Johnny Ramos. Johnny Ramos garde le ballon et il aura même le contre favorable. Quel travail de la part de Johnny Ramos qui jusqu'au dernier moment se bat pour conserver le ballon en opposition. Ah dommage, ses efforts ont été gros sur cette action, un tout petit peu trop d'efforts d'ailleurs, il aurait pu donner le ballon beaucoup plus tôt. Peut-être un petit manque de lucidité sur la dernière passe là qu'il a essayé. Ah, vous l'avez bien dit, hein, il revient de blessure, ouais. Ça se sent peut-être un petit peu sur cette fin de match aussi là, qui va manquer de jus. Mais c'est bien qu'il ait citoyé en soutien aussi hein, pour finir la rencontre. Oui. Johnny Ramos justement. Radon Kirosh, une solution sur le côté gauche avec Kevin Diaz. C'est plutôt un ballon piqué, dommage. C'était dans la profondeur pour Citoyi. Et on voit Johan qui est devant là, qui va aller se replacer. Il faut vite se replacer, hein, même si sa montée était parfaitement couverte hein, par Joël Sakhi avec son numéro 7 dans l'axe de la défense. Attention au jeu long encore une fois, ouais, c'est vers Badia, côté gauche. Badia en percussion qui va devoir travailler face à... Attention, faute. À Sarmento, pas de faute. Le ballon qui va être conservé. Ah, c'était bien joué là de et retenter. Il y a un autre changement qui se prépare du côté de Saint-Maur. Ça sera Fabien Carne qui va rentrer. Bon milieu de terrain. Changement donc plutôt défensif. Voilà. Ah, attention, camarade dans la surface de réparation. Ça va être un tout petit peu trop long. Et ballon capté par Tony Sébastien. Donc je repose cette question que je vous avais posée en première période. Combien de ballons a-t-il touché ce soir? Bah, je pense que c'est le premier de la deuxième mi-temps. Donc ça doit faire deux. Ça doit faire deux. Pour et l'autre côté, attention. Pour une équipe en infériorité numérique, produire du jeu comme Solas et ne pas faire en sorte que son gardien soit inquiété, c'est très bien. Citoyi, entrée de surface. Ah, il va conserver le ballon Citoyi sur le pied gauche. Est-ce qu'il va tenter la frappe? Il appuie toujours en retrait sur Johnny Ramos. Ce qui est assez incroyable, c'est que personne n'est venu au soutien. On est vraiment resté derrière. Ah oui, c'est bizarre. Il y a un joueur qui est resté au sol là-bas aussi. C'est étrange, ouais, parce que Kevin Diaz était encore au sol. Les joueurs du Zitano sont vraiment attendus avant d'accélérer, d'arriver dans la surface de réparation. Joël Sakhi dans la surface. Très bon retour, très bon tacle de la part... Et un changement de chaque côté. De Njik et carton jaune sorti contre, me semble-t-il, le numéro 7, Cheikh Yuan. Pour une faute qui était commise un petit peu plus tôt. Carton jaune pour le numéro 7, Cheikh Yuan, donc. Allez, dernier changement avec l'entrée en jeu du côté de Saint-Quentin de Daniel Titi. Titi. Et du côté de Saint-Maur. Et Badia qui est sorti. Ça sera Fabien Carne qui va rentrer. À la place de Johnny Ramos. Ah, je sais pas. Peut-être de Kevin aussi, je sais pas. Ou Kevin Diaz, ouais, qui... Ou même peut-être Joël, on ne sait pas. Ou Joël, c'est qui. Allez, si vous devez pronostiquer là, sur le changement. Kevin, Joël ou Johnny. Lequel des trois? Johnny, on dirait, qui se dirige peut-être vers la touche. Ah, donc vous me suivez. Vous êtes d'accord avec moi pour me dire alors que c'est Johnny qui devrait sortir. Ouais, attention quand même au corner pas. Sur la tête de Joël Sakhi. Envoyé dans un premier temps par la défense. On reviendra justement sur Johnny Ramos. Johnny qui va garder le ballon. Johnny qui accélère, qui va peut-être rentrer dans la surface de réparation. La bonne défense et pourtant il aura le ballon. Petit râteau pour mettre en retrait sur Joël Sakhi. Protection du cuir. Quasiment au poteau de corner. Il va concéder la touche. Et le changement. Il va y avoir le changement. Et donc ouais, le changement qui va être effectué. Il a le 9 en main en tout cas. Il devrait être ça. Ouais. C'est Johnny Ramos qui sort. Johnny Ramos remplacé par Fabien Carne pour les 7 dernières minutes du temps réglementaire. Johnny Ramos est entré de numéro 12, Fabien Carne. Johnny Ramos qui se précipite pas pour sortir. Monsieur Crampon lui fait signe pourtant de se dépêcher, hein, qui va retenir. Sachant qu'il a déjà un jaune. Hein.
Là, ce serait bête hein, ah oui, de prendre un deuxième jaune pour cela. On a déjà vu des cartons être sortis pour un joueur qui prend un petit peu trop de temps, mais généralement, ce ne sont pas des joueurs qui ont déjà été avertis. Oui. Là, ça aurait été vraiment dommage hein, pour Saint-Maur aussi, pour Fabien Carne qui aurait dû faire son entrée en jeu. Heureusement qu'il n'y a pas eu de deuxième jaune pour cela. Allez, ballon remonté par Silibé. Un joli ballon. Oh, c'était bien joué, la version mondiale, mais il se gêne entre Dia et Silla. Ce sera donc pour Kevin Diaz. Attention, il y a des espaces quand même derrière du côté de Saint-Quentin. Là. Ouais, un espace laissé dans le couloir gauche. Avec la montée d'Ugorès. Joël Saki qui accélère. Il arrive à entrer à la surface de réparation malgré la pause délicate. Et prolonge sur Fabien Carne. Le centre. Il va arriver au second poteau, ce centre. Sur Ugorès. La frappe. Oh, la parade du gardien qui était arrivé pourtant sur son défenseur central. Je sais pas si c'est le gardien ou si c'est le défenseur qui a sorti ce ballon. Il dévie sur la jambe de son partenaire. Et en contre favorable en plus derrière. Nouvelle chance pour Ugorès d'accélérer, pourquoi pas, dans la moitié de terrain adverse. Du soutien qui va arriver là, sur le côté droit avec la montée de Fabien Carne. Attends, c'est un ballon dans les pieds de Redouane Kerrouche. Joël Saki. Ah, il a tenté l'une deux entre les deux joueurs. Attention, bien fermé derrière aussi. Bon retour de Fabien. Un ballon prolongé de la tête par le capitaine Jean Fonseca directement sur les joueurs de Saint-Quentin, dont Silibé. Silibé qui accélère, qui essaie de rejouer. Oh, quelle belle fermeture. Il voulait rejouer dans cette surface de Saint-Maur. Et c'est extrêmement bien défendu de la part de Coran. Citoyen, Fabien Carne. Pas de solution immédiate. Citoyen n'est pas en position de hors-jeu, c'est parfaitement replacé. Il va peut-être pouvoir travailler sur ce côté pour rejouer dans l'axe avec Fabien Carne. Fabien Carne qui va rejouer dans l'intervalle sur Citoyen. Pourquoi pas une balle de 2 à 0 en retrait pour Fabien Carne. Finalement, ça va être pour Kevin Diaz qui n'arrive pas à se remettre sur son pied gauche. Et pur gaucher, hein, Kevin. Hein. Ouais. Et surtout la très bonne intervention hein, de Silla qui ne se jette pas. Hein. Il sait que Kevin Diaz va se remettre sur le pied gauche. Et là, attention là, il ferme la porte. Et l'accélération de Simon Dia. Simon Dia accroché. Et nouveau carton. Pour. Un carton qui va être pour. Jean Fonseca. Ouais, c'est possible. Ouais, c'est bien Jean Fonseca qui est averti à la 86e minute. Il faudra tenir hein, sur ce coup franc. Ah oui, coup franc très très important là en cette fin de match. 86e bientôt. Attention. Un coup franc qui va être joué à 10 contre 10. Faut le rappeler, hein, Rébellion Anastase, le gardien de Saint-Maur, exclu à la 13e. Et le capitaine Youssoufa de Saint-Quentin, exclu il y a 13 minutes. Les consignes pour le mur avec les bras collés, déconnés, consignes habituelles. Et le coup franc qui va pouvoir être joué par l'un des entrants de ce soir, hein, Renato Karoski. Et on voit du monde quand même de la part de Saint-Quentin. Ils sont quasiment tous hein, dans la surface de Tony Sébastien. Karoski dans le mur. Et voilà. Je pense qu'il y avait mieux à faire quand même pour Saint-Quentin là. Comme la tenter d'ici. Il y avait de la présence hein, pourtant dans la surface de réparation. Oui. Il y avait vraiment attention, bien mieux à faire. Derrière. Enjic, Karoski. Ça rentre au deuxième poteau aussi. Karoski qui travaille ce centre pour essayer de rejouer au second poteau. Avec Titier, Camara qui ne peuvent reprendre. Joël Saki qui tente le dégagement. Ça reste devant la surface de réparation. Fabien Carne qui va prendre son temps, jouer en retrait dans le couloir, combiné. C'est très intelligent de la part de Fabien Carne de revenir avec son latéral. Il aura un petit peu d'espace, il arrive à rejouer vers Citoyen qui a tenté la remise acrobatique. La très bonne récupération de Yon. Attention à sa mort de bien refermer derrière quand même les espaces. Quand on est quand même en fin de match, ça serait bête de prendre un but tout de suite. Hein. Ouais, Camara qui fait pareil son physique sur cette passe dans la profondeur de Yon. Le ballon dégage en touche par Redouane Kerrouche. Allez, sacré match quand même de Redouane ce soir. En tant que numéro 6, hein, son poste de prédilection. Un poste qu'il retrouve petit à petit. Hein. Oui, car on sait qu'il a joué il y a quelques temps en tant que libéraux là, récemment. Attention à ce centre qui a la surface de réparation vers Titi au second poteau, la remise à la poitrine. Le pied gauche aussi là, pourquoi pas, il tente le petit râteau, il va
surtout se prendre de plein fouet la défense parfaite de Philippe Sarmento. Le recul frein parfait. Il est sorti au bon moment là. Alors, tenter le râteau, l'accélération et aller percuter le défenseur comme cela. Ça fait toujours mal. Mais là, avec le froid, avec les 3 ou 4 degrés qu'on doit avoir maintenant. Heureusement que vous avez la doudoune du club, sinon vous auriez gelé, mon cher Marco. Ouais. Avec... Eh oui, Saint-Maur maintenant qui va fermer derrière là, hein, vraiment. Et Saint-Quentin qui a poussé hein, dans ces dernières minutes. Et qui va continuer les efforts. Hein. Qui va continuer. Silla. Karoski. Avec Juan. Un petit peu à l'arrêt devant Kevin Diaz. Le terrain, à mon avis, là, il va pas être top top là. Hein. Il doit être très très lourd. On a vu beaucoup de faux rebonds. Ah, ça n'empêche pas Sidibé de rejouer long sur Dia. La remise astucieuse de Titier pour Camara. Ah, Camara qui travaille parfaitement. Le centre au second poteau, mais personne à la retombée du ballon. Seconde chance avec. Ah, c'est bien joué ça. Ce ballon qui va être remis là sur Karoski qui tente la frappe du pied gauche. L'intention est bonne, la réalisation par contre laisse à désirer. A noter qu'il n'y a toujours pas de frappe cadrée hein, du côté de Saint-Quentin ce soir sur 6 ou 7 tentatives. Ouais. Pas de tir cadré aussi bien dans les gants de Ravelino Anastas que dans ceux de Tony Sébastien. Ouais. Ah, quand on a pourtant manque de réalisme là. Ouais, quand on a ces solutions offensives, quand on est présent dans la moitié de terrain adverse et qu'on n'arrive pas à cadrer, et surtout ça des... se complique. Un problème au niveau de la dernière passe. Hein. Un manque de justesse. Ouais. Ça explique aussi peut-être pourquoi Saint-Quentin, malgré ses bonnes intentions, malgré son jeu très intéressant, n'arrive pas encore à sortir de la zone de relégation. Ouais, sûrement, sûrement. Et Saint-Quentin va tout tenter dans le temps additionnel pour aller chercher l'égalisation. 1-0 pour Saint-Maur du Titanos. Et la rentrée de jeu. Il n'a pas précisé. Pour Philippe Sarmento. On va avoir 3-4 minutes. Oui, sûrement. Ah, Fabien tout seul à droite. Ouais, voilà, justement, c'est pour lui. Très bon jeu de Kevin Diaz sur le côté droit de Fabien Carne. Il y a du soutien. Il va temporiser, Redouane. Il va attendre la montée de Redouane Kerouche ou pourquoi pas rejeter dans le couloir ce qu'il a fait avec Philippe et Sarmento. Kerouche, voilà. Départ de Carne dans la profondeur, ce n'est pas vu par Kerouche. On va éviter la position de hors-jeu, protéger ce ballon le long de la touche. Et... incroyable, elle semblait plutôt être du côté de Saint-Maur cette rentrée de jeu. Il y a eu un. Et Kerouche pour ce petit gain de temps. Oui, l'arbitre du centre avait signalé touche pour Saint-Maur et l'arbitre. Il a suivi l'assistant. Voilà, il a suivi. Les cartons jaunes quand même pour Adon Kerouche après une minute de temps additionnel. Ah, la bonne tête de Sarmento, puis le dégagement de Kerouche. Ah, oui. Maintenant, ça va jouer vraiment au temps là. Et on va pas s'avancer non plus sur le temps additionnel. On avait annoncé 3-4 minutes en première période et on a eu 7. Donc, sait-on jamais. À voir. Restez attentif. Avec Karoski. Avec Silla dans le rond central. Silla qui peut plonger sur le côté gauche avec Sidibé. Oh, attention à cette petite glissade de Fabien Carne dans l'intervalle. Aucun joueur de Saint-Quentin. Voilà. C'est fait maintenant. C'est bien dégagé par la défense. Carne est encore présent sur le second ballon. Kevin Diaz en rampe de lancement, pourquoi pas pour un contre. Personne n'est parti dans le couloir. Heureusement, ça reviendra sur Situ Ayi qui tente la profondeur. Beaucoup, beaucoup d'erreurs techniques là quand même en fin de match. Hein. Avec un terrain qui se dégrade aussi. Hein. Ah oui, ça c'est sûr, on le voit de toute façon. Et Sidibé. Encore une fois alerté, Sidibé dans le couloir gauche. Ouais, le centre à mi-hauteur envoyé par Kevin Diaz. Nouvelle chance avec Njik. Karoski. Ah, c'est bien décalé ça. Ouais, le bon décalage là sur le côté droit avec un centre. Le ciseau tenté par Camara et ça passera à côté sur second ballon. C'était contré là par Johan Coran.
Coran qui contre ce ballon, ça revient sur Camara et ça frappe. Et Johan qui reste va au sol. À côté et Coran qui reste au sol, est touché par, par Camara sur cette action. Il y a déjà 3 minutes de temps additionnel d'écoulé. Ouais. Ça approche vraiment de la fin de cette rencontre. Est-ce que c'était la balle du 1 but partout que Camara avait au bout de, on aura bout joué, de sa chaussure. On aura joué 100 minutes. Dans un scénario, on peut dire que d'un match de coupe, comme le chrono. Ouais. Ces matchs haletants du début à la fin. Ne pas lâcher jusqu'à la dernière seconde. Coup franc pour Saint-Maur, faute dans le rond central. 7 minutes en première période, attention, soyons patients, même dans ce temps additionnel. Surtout qu'on ne peut pas savoir le temps additionnel. Monsieur l'arbitre fait quand même signe de faire attention au chronomètre. Il pourra décompter le temps gagné par... par les 10 joueurs de Saint-Maur. Kérouche. Oh, Kérouche qui perd fort, qui va arriver dans la surface de réparation en passant 3 joueurs. Allez. Kérouche sur son pied gauche. Il prend peut-être un petit peu trop de temps avant de mettre ce ballon au second poteau. Il n'est pas très bon, dommage. Ce ballon pour Kevin Diaz qui c'est fait signe qu'il va temporiser, va aller gagner un petit peu de temps au poteau de corner. Il va obtenir la touche face à Karoski. Et Ogores qui va prendre son temps. Il laisse filer ce ballon. Pour le redonner à Kevin Diaz. Comment gagner quelques secondes. 90e plus 5. Là, tout joué sur Citoyi. Ah, il va perdre le ballon par contre, Citoyi. Et le dégagement là du portier. Les supporters commencent à s'agacer là. Il y aura encore quelques secondes à jouer et peut-être encore un coup pour Saint-Quentin. Sidibé qui n'ira pas plus loin. C'est fini avec cette victoire. 1-0. La victoire avec le but de Johnny Ramos au tout début de cette seconde période. Mais on peut se congratuler du côté de Saint-Maur après avoir tenu pendant 60 minutes, voire même plus, avec le temps additionnel de la première période en infériorité numérique, en ouvrant le score à 10 contre 11 et en tenant face aux assauts de cette équipe vaillante de Saint-Quentin, mais qui n'est pas récompensée de ses efforts ce soir. C'est sûr, c'est sûr. Ouais, très bien tenu de la part de Saint-Maur, Luis Danos, 80. Presque 80 minutes. Hein. À 10. Mais une exclusion aussi à retenir du côté de Saint-Quentin, de leur capitaine. On va revoir cela, mon cher Marco. Déjà, en commençant par le premier fait de jeu, à la 12e minute, ce carton rouge pour Réveillino Anastas, tout part d'un ballon. Au milieu de terrain, une petite mésentente à la récupération. Une première faute de Joël Sacchi. Mais quel appel, rappelons-le, quel appel du joueur. Ouais, l'appel parfait. Et là, la sortie maladroite de Revellino Anastase qui commet cette faute qui lui vaut le carton ce rouge. Carton rouge. Vous voyez, à la 12e minute de jeu. Puis, le but. Le but, les vous voyez, la faute de main du gardien. Joël Sacchi, parfait. Au départ de l'action et Johnny Ramos à la conclusion. Ça fait 1-0 à la 49e et enfin le carton rouge là, qu'on va essayer de revoir vraiment là au tout début. On va revenir sur le début de l'action. Avec au départ la possession du ballon qui est vraiment pour Saint-Quentin. Saint-Quentin qui arrive à développer ses actions mais qui perd. Encore ces premiers duels au milieu, les contres en infériorité numérique, malgré un Johnny Ramos qui se bat sur chaque ballon pendant toute la rencontre. C'est bien battu. Hein. Et Saint-Quentin, on le voit sur cette action avant le carton rouge, qui a du mal à ressortir proprement au sol, qui cherche le jeu long avec ses joueurs qui sont rapides et qui ne passent pas, encore une fois, le premier rideau défensif. Et c'est là que Youssoufa va arriver en retard et commettre... une nouvelle faute. Pour un deuxième carton jaune qui lui vaut le rouge. Et il ne discute pas, hein. Vous l'avez très bien souligné sur le direct. Il sait qu'il a commis une grosse faute. Carton rouge. Et le retour au vestiaire. Victoire donc 1-0 de Saint-Maur ce soir face à cette équipe de Saint-Quentin dans un match haletant du début à la fin.
carton rouge, but, temps additionnel de 10 minutes oui, quand on cumule, minutes. Voire même 11 quand on cumule en première, en seconde période. Le spectacle était au rendez-vous et Samor prend encore les 4 points. Voilà, il peut encore coller le LOSC. Voilà, coller la réserve du LOSC. Peut-être pour une montée hein, cette année. Hein. Qui sait En tout cas, Saint-Maur reste bien placé. Le principal sera d'être là dans le sprint final en fin de saison pour aller talonner le LOSC. Et pourquoi pas dépasser la réserve lilloise qui avait été vraiment mise en difficulté ici. Hein, oui. Juste avant la trêve, match 0-0. Il y a vraiment un coup à jouer dans ce groupe G de CFA 2. Saint-Maur s'impose donc 1-0 face à Saint-Quentin grâce à un but de Johnny Ramos. Marco, merci beaucoup d'avoir commenté ce match à mes côtés. Et puis on se retrouve très prochainement pour un nouveau match ici au Plessis Trévis de Lusitanos Saint-Maur. Bonne soirée à toutes et à tous. Ouais.